Bonjour à tous, je suis Corinne Jacobi-Coady, la coordinatrice pédagogique du CM 98 et de son université populaire. Nous sommes heureux de vous rencontrer pour la première fois en mode webinaire et Facebook Live. Cet après-midi, notre conférencier est Monsieur Lionel Trani et au nom du CM 98, je vous souhaite la bienvenue. Donc, notre intervenant nous parlera donc des esclaves empoisonneurs dans les colonies françaises, comme vous avez pu le voir. Et je vous dis déjà que notre programme prévu pour 2020-2021 risque très fortement de continuer en mode distanciel. Donc, je vous donne un aperçu de notre programme. Le mois prochain, nous aurons une table ronde sur les traites humaines, donc les traites dans l'océan Indien, dans l'Europe africaine et la traite ottomane. Au mois de janvier, nous parlerons donc de l'abolition de l'esclavage à Haïti. Ensuite, nous parlerons de prendre nom aux Antilles. Vous savez que la question des nominations des esclaves est une question qui nous tient à cœur au CM 98. Nous allons l'aborder dès le mois de février. Au mois de mars, ce sera traite et esclavage dans les Mascareignes avec Bruno Maillard. Ensuite, nous parlerons de traite et esclavage en Guyane. Pour finir au mois de juin, sur les tests génétiques, une question qui intéresse déjà plus d'un. Avant de commencer notre conférence, je vais vous donner quelques indications techniques. Pendant le temps de l'intervention de M. Trani, les micros seront fermés. Donc, nous allons recevoir vos questions via le chat ou encore avec les commentaires via Facebook Live. Donc, pour le chat, vous pouvez cliquer sur le bas de votre écran sur « Converser » et écrire directement votre question. Nous allons recueillir vos questions pendant tout le temps du débat, mais la prise de parole se fera comme à l'accoutumée après le temps du conférencier. Donc, je vous souhaite encore la bienvenue. Merci de nous suivre et je vous laisse la parole à Emmanuel Gordien, le président du CM 98, et je vous dis à tout à l'heure. Merci Corinne, merci et bonjour à tous. Je vois que nous sommes nombreux, hein, nous sommes 99 déjà inscrits. Je suis vraiment très, très heureux de vous recevoir pour notre première. Vous savez, avec cette crise sanitaire qui est là, le CM est obligé de s'adapter, comme tous. Et je crois que d'ailleurs, cette première expérience, je pense qu'elle sera réussie et je pense que nous la maintiendrons, même quand nous reviendrons, comme on dit, en présentiel. En tout cas, je voudrais, dans un premier temps, déjà remercier l'ensemble des militants de l'association. Je voudrais aussi remercier l'Association pour l'étude de la colonisation européenne, l'APECE, dont Lionel Trani est un des membres. Parce que cette association va travailler donc avec le CM 98. Quand nous aurons des cours sur l'esclavage, et qu'ils ont des historiens qui connaissent le terme, on les fera en commun. Et ils nous donneront aussi d'ailleurs leur programme d'activité à eux, qu'on se fera un plaisir donc de vous faire partager. Donc, nous commençons cette série de l'Université populaire. Je dois dire à tous ceux qui nous écoutent que nous ferons aussi la même chose pour nos activités de généalogie, c'est-à-dire qu'il y aura des présentations de famille, et bien, nous ferons sur le même mode, comme ça vous pourrez aussi y participer. On va essayer encore d'augmenter en capacité notre Zoom, vous savez que le Zoom, c'est une technique qui permet d'avoir plusieurs personnes qui peuvent participer, on peut aller jusqu'à 5000 personnes, on espère qu'on aura 5000 personnes. En tout cas, je voudrais vraiment vous lancer un appel pour soutenir ce travail qui se fait. J'ai vraiment l'honneur d'être présent à cette association qui va tout faire pour continuer le travail avec vous, pour vous, et ensemble, nous ferons un travail important. Je vais donner la parole donc à Lionel Trani, que je voulais remercier au nom du CM 98 d'être là. Il va nous parler donc de son association, la PECE, mais aussi je sais qu'il est membre du CIFORDOM. Donc Lionel, on te donne la parole avant donc que tu puisses nous dire, tu puisses nous parler de ce thème extrêmement intéressant, les esclaves empoisonneurs. À toi. Ben merci, merci à vous déjà le CM 98 d'avoir organisé cet événement en distance, il est vrai, mais il faut passer ce cap. Alors, ben justement, moi, je me présente, donc, je suis Lionel Trani, je suis enseignant dans l'enseignement secondaire actuellement, donc professeur certifié. Je suis également chercheur rattaché à l'IHRF, qui est aujourd'hui l'IMC à Paris 1. En fait, hein, c'est l'Institut de la Révolution française. Et je suis membre donc, du bureau de l'APECE, donc association très importante.
qui a été fondée par Yves Benoît et Marcel Dorigny dès 1991, hein, et qui est la première association à s'être véritablement penchée sur l'étude des sociétés coloniales, donc l'esclavage, la traite négrière et évidemment les abolitions et toutes les formes de résistance que nous trouvons dans cette situation historique. Je suis également membre du CIFORDOM, fondation qui a été créée en 1982 par José Pontos Crop, chargé vraiment de la partie historique où on a une exposition qui est à destination du grand public, mais également des scolaires, hein, parce que nous faisons des événements en fait, dans les établissements scolaires avec cette exposition et avec des conférences hein, sur lesquelles en fait, on intervient sur plusieurs thèmes. Et voilà pour la présentation. Donc aujourd'hui, nous allons, durant cet après-midi, essayer un peu de vous présenter les esclaves empoisonneurs. C'est un sujet qui est complexe, sujet qui est très mal connu pour des raisons que nous allons voir. Alors, ces esclaves empoisonneurs s'inscrivent dans ce qu'on appelle les sociétés esclavagistes françaises. Alors ici, je vais vraiment rester dans le cadre des sociétés esclavagistes françaises, parce qu'en soi, c'est déjà un travail assez important, parce que ça couvre toute la période de 1635, donc début de la colonisation sous Louis XIII, à 1848, abolition deuxième d'ailleurs, définitive de l'esclavage dans les colonies dites françaises. Alors j'ai mis un autre titre évidemment, entre mythes et réalité, parce que nous allons justement voir toute la particularité de cette histoire dans le prisme historique. Alors, quand on parle justement de ces esclaves empoisonneurs, on parle justement de la société esclavagiste. D'abord, il est important de faire une mise en garde sur le vocabulaire et la mentalité coloniale de l'époque. Le vocabulaire que je vais parfois utiliser ou quand je vais lire des citations porte ce qu'on appelle le préjugé de couleur. Le préjugé de couleur, c'est le début du racialisme tout au long du XVIIe et surtout du XVIIIe siècle. Le terme de racisme va naître au milieu du XIXe siècle. Le XVIIIe siècle, le terme n'existe pas. Alors ce préjugé de couleur, c'est le préjugé sur l'africanité, c'est celui qui va donc s'arrêter à une couleur de peau, dont les termes vont devenir finalement des termes péjoratifs dans le cadre colonial, nègre, mulâtre, capre, pour ne citer que ces exemples-là. Cela s'inscrit dans un sentiment qui est partagé à l'époque par l'Européen, ou celui qui est d'origine européenne, le créole, d'un sentiment de supériorité culturelle par le biais du christianisme, mais également des sociétés et de son économie. Donc la justification de la colonisation est totale, parce que nous sommes dans un cadre de colonisation, et l'usage de l'esclavage est forcément légitimé par la classe dominante. Pourtant, il y a un élément également qui va rentrer en jeu tout au long du XVIIIe siècle, c'est plus nous allons avancer dans l'histoire, et plus finalement ces sociétés esclavagistes vont être bercées par cette peur ambiante, cette psychose coloniale, notamment par le fait que les populations esclaves sont de plus en plus nombreuses. Avant justement de parler de ces esclaves empoisonneurs, il est important de revenir sur au moins deux termes que nous allons beaucoup employer aujourd'hui. Le terme de poison, qui selon la définition de 1859 par Ponson Duterre, toute substance qui est susceptible, après l'introduction dans l'organisme et selon la dose, le mode de pénétration, l'état du sujet, de perturber certaines fonctions vitales, de léser gravement des structures organiques ou d'entraîner la mort. Donc là, on est sur la définition du poison, et l'empoisonneur serait donc celui qui serait coupable de cette action, de tuer ou mettre en péril de mort en faisant absorber le poison. Alors, on va voir, l'esclave empoisonneur, ou ce qu'on appelle le nègre empoisonneur, va avoir une représentation tout à fait différente selon les périodes entre le XVIIe et le XIXe siècle. Alors nous, on travaille évidemment sur des sources. L'historien ne peut faire de travail sérieux sans ses sources. Ce sont les sources coloniales françaises du Premier Empire. Elles s'appuient sur des écrits des administrateurs, des militaires, des juges, des notaires et colons, des voyageurs également. Ça, ce sont ce qu'on appelle des sources de dominants. La limite, vous l'avez compris, c'est que c'est un point de vue qui peut être imprégné du préjugé de couleur ou de la méconnaissance ou bien d'un jugement de valeur. Nous avons également un problème dans l'histoire finalement coloniale française, notamment dans son Premier Empire, c'est que nous avons une raréfication des sources qui émanent soit des livres de couleur, encore plus rares celles des esclaves, et bien évidemment, vous l'avez compris, des esclaves empoisonneurs qui finalement, quand on les entend parler, c'est à travers tout simplement une action de justice. Alors les nouvelles disciplines en sciences humaines vont nous permettre aujourd'hui de mieux comprendre justement le mode de vie de ces populations qui ont été mises en esclavage,
à travers l'archéologie. Je rappelle l'archéologie des cimetières d'esclaves. D'ailleurs, là, vous avez une photographie d'un cimetière d'esclaves en Guadeloupe. Elle permet justement de se renseigner sur les causes de mortalité, l'âge moyen. Mais vous avez également, sur d'anciennes habitations, hein, des anciens cimetières d'esclaves, mais vous avez également d'autres formes d'archéologie, notamment celles d'objets historiques ayant appartenu à ces communautés. Alors, elles peuvent nous intéresser également lorsqu'il y a des phénomènes de marronnage, si on arrive à retrouver des endroits comme on a pu le retrouver, par exemple, à l'île de La Réunion. Donc, tous ces nouveaux objets historiques nous permettent de faire parler justement ces populations souvent qui disparaissent et qui apparaissent rarement dans nos sources historiques. Alors, voilà sur quelles sources je vais m'appuyer aujourd'hui pour tenir mon propos. Donc, les Archives nationales d'Outre-mer, aujourd'hui situées à Aix en Provence, nous trouvons ce qu'on appelle les séries C. Alors, les séries C, c'est correspondances reçues par le ministre en provenance donc des colonies. Donc, c'est toutes les instructions, mémoires, recensements, documents financiers, état de matériel, d'approvisionnement, actes notariats et état d'esclaves introduits dans les colonies. Ça, c'est donc évidemment la correspondance qu'on appelle officielle. Alors, vous voyez ici, je vous ai mis les différentes séries que vous pouvez consulter soit en ligne sur le site ou bien directement en place. Alors, avec le protocole sanitaire et la crise, c'est plutôt en ligne actuellement. Donc, vous avez la série C3 pour l'île Bourbon, donc la Réunion, la série C4 également pour l'île de France, hein, qui contiennent quasiment toute la période donc, du XVIIe siècle, jusqu'au début du XIXe siècle. Vous avez la Guadeloupe, la série C7, 1649-1815, la Martinique et les îles du Vent, hein, qui comprennent en fait Sainte-Lucie, Tobago, et Trinité à un moment donné de son époque, hein, début de la colonisation jusqu'à ce qu'on appelle la Restauration. Et vous avez évidemment la série C9 avec Saint-Domingue. Et puis, vous avez aussi notre catégorie qui comprend en fait ces territoires qui ont appartenu également à la France durant le XVIIIe siècle, la série C10, je pense notamment à la Dominique. Donc ça, ce sont les documents qui émanent des archives nationales d'outre-mer. Ensuite, on s'appuie évidemment, alors là j'ai pris l'exemple des archives départementales de la Martinique, j'aurais pu très bien prendre évidemment un autre corpus. Donc c'est une panel évidemment de sources, hein, parce que je n'aurai pas la place de vous montrer la totalité des sources que nous pouvons utiliser pour parler des esclaves empoisonneurs. Ici, ce sont ce qu'on appelle des sources secondaires imprimées. Donc vous avez Pierre de Sales, un colon de la Martinique, d'ailleurs son titre « La vie d'un colon de la Martinique » est publié en 1830, donc pendant la Révolution, enfin, la fin de la Restauration et le début de la monarchie de Juillet. Vous avez également un mémoire sur ma vie à mon fils pendant les années 1803 et suivantes de Lossa Pierre Clément, donc un administrateur colonial du 19e siècle en Martinique et notamment en Guyane, et aussi il est passé à la Nouvelle-Orléans. Saint-Méry de Moreau, qui est évidemment l'un des personnages le plus connu au vu de sa production, colon de la Martinique, mais qui va faire ses faits d'armes politiques à Saint-Domingue. Victor Churchill, qu'on ne présente plus abolitionniste, mais qui va également, durant toute la période précédente, 1848, se rendre justement dans les Antilles pour révéler justement la violence de cette société coloniale. Donc ça, ce sont des sources secondaires qui sont importantes, avec toujours cette limite, c'est-à-dire qu'elles n'interrogent pas, finalement, les populations qui sont concernées, soit les libres de couleur, soit les esclaves. Donc ça va être des observations, soit s'appuyant sur des documents officiels, soit sur des on-dits rapportés par le pouvoir colonial ou par les colons. Alors l'historiographie, ici, elle est sélective. Pour ceux qui seraient intéressés, quelques ouvrages importants. Alors l'ouvrage de Cécilia Limor, « L'expérience missionnaire et le fait colonial en Martinique », c'est un ouvrage qui nous intéresse, notamment dans le fait de la pratique de magie dans le cadre des poisonnements, parce que là, on est vraiment dans le basculement au XVIIIe siècle, de cette religion catholique qui doit continuer sa mission d'évangélisation des populations serviles, tandis que les populations libres s'en écartent. Et donc, il y a tout un enjeu de syncrétisme entre les pratiques qu'on pourrait appeler africaines et les pratiques qui sont imposées, évidemment, par la société coloniale. Ensuite, vous avez l'ouvrage de Geneviève Letin, « Santé et société esclavagiste à la Martinique », qui, elle, permet un petit peu, elle a c'est une étude de 1998, mais elle est toujours d'actualité, parce qu'elle s'intéresse vraiment sur la question à la fois de l'hygiène et de la santé publique, et finalement, elle s'interroge sur ces problèmes de poison, notamment sur le fait qu'il n'y ait pas de réponse à l'époque acceptée par le cadre médical, hein, parce qu'on est en train justement de découvrir qu'il y a des maladies
Et on a en même temps un pouvoir colonial qui ne veut pas entendre parler de maladies, notamment des colons. Vous avez ensuite l'ouvrage de Pierre Pluchon, Vaudou sorcier empoisonneur de Saint-Domingue à l'Haïti, qui est un ouvrage évidemment de référence, qui permet un petit peu de dresser l'évolution et le taux de pénétration de la pratique vaudou, notamment à Saint-Domingue et maintenant à Haïti. Vous avez l'ouvrage de Caroline Houdin-Bastide, qui fait force de loi notamment sur la question de l'empoisonnement, l'effroi et la terreur, esclavage, poison et sorcellerie aux Antilles, où elle va s'appuyer vraiment sur les études des sources qu'on appelle juridiques, et puis l'ouvrage que j'avais réalisé en 2014 sur la Martinique napoléonienne, où il y a toute une partie sur justement les tribunaux spéciaux, notamment sur la question des esclaves empoisonneurs. Alors le contexte, très important avant qu'on commence ce sujet, il y a le contexte historique. Alors je vais le brasser rapidement, de 1612 à 1645, Louis XIII autorise le début de la colonisation française en Guyane et aux Caraïbes. C'est donc la course justement aux îles. Tout au long du XVIIe siècle, on va donc avoir la naissance des premières sociétés coloniales, esclavagistes, notamment en Amérique, qui vont se développer avec la Martinique, la Guyane, il y a aussi Saint-Christophe, Sainte-Lucie, la Dominique et la Guadeloupe. Là où il va y avoir une première étape, c'est au XVIIIe siècle, lorsque la guerre de Sept Ans se termine, le traité de Paris signifie une défaite importante au niveau de la rivalité avec l'Angleterre. C'est à ce moment-là que le cabinet de Louis XV décide d'orienter l'empire colonial français, non plus sur ce qu'on appelle une colonisation de peuplement qui avait quand même échoué, mais plutôt sur une économie de plantation où le sucre va avoir un rôle à jouer à partir de 1763 jusqu'à la Révolution française. Cette Révolution française 1789 va aboutir avec évidemment des luttes et des processus révolutionnaires totalement différents selon les îles, à une première abolition de l'esclavage à Saint-Domingue, notamment en août 1793, qu'on appelle une abolition locale, qui va déboucher sur la loi du 16 pluvieuse de l'an 2, celle qui va appliquer la première abolition dans tout le domaine colonial. Finalement, seules la Guadeloupe, Saint-Domingue, Guyane et Sainte-Lucie vont en effet connaître une première abolition de l'esclavage. Le consulat, avec le consul Bonaparte, va lui, en effet, prendre le choix de rétablir l'esclavage dans les colonies qui avaient connu l'abolition et la départementalisation. Rappelons qu'également, des colonies, elles, ont refusé tout simplement d'appliquer le décret, je pense notamment à l'île Bourbon ou à l'île de France, donc Réunion-Maurice, ou bien la Martinique ou Sainte-Lucie, qui ont, elles, été occupées militairement par les Anglais durant cette période. Le rétablissement violent en Guadeloupe, où il y a environ entre 3 et 4 000 victimes, et en Guyane, qui se fait certes dans une certaine violence, mais avec une énorme fuite vers l'Amazonie de tous les nouveaux esclaves qui vont être remis sous les fers. Cette période va créer un désordre important, notamment à Saint-Domingue, qui va mener à une guerre d'indépendance entre 1803 et 1804, avec la naissance d'Haïti le 1er janvier 1804, donc défaite de Napoléon Ier, et défaite également au niveau de son projet d'empire colonial. En 1815, donc après l'expérience de l'empire, la France va décider au Congrès de Vienne de s'aligner comme l'Angleterre et les États-Unis avec une interdiction de la traite négrière sur les côtes d'Afrique. En 1825, il y aura, sous Charles X, la reconnaissance d'Haïti par la France en contrepartie d'une dette versée à celle-ci. Alors ici, c'est pour poser un petit peu ce cadre, c'est que selon le contexte, selon le moment où les affaires d'empoisonnement vont arriver, elles vont être parfois influencées par ce contexte, à la fois local, international et national. Alors la problématique qu'on va se poser aujourd'hui, c'est de quelle manière les esclaves, dits empoisonneurs, renforcent-ils à la fois ce qu'on appelle le pouvoir domanial et la psychose créole autour de la figure, ce qu'on appelle du nègre, entre guillemets. Dans une première partie, on verra les sociétés esclavagistes comme matrice finalement d'une violence inouïe, de les empoisonnements entre la réalité et ce qu'on appelle le surréel, et dans un dernier temps, nous étudierons ce qu'on appelle la répression coloniale et domaniale, c'est-à-dire la mise en place de la terreur blanche pour écraser l'infernal fléau, selon les propos de l'époque. Alors, la société esclavagiste, c'est une société qui est très hiérarchisée et ségrégée. Tout d'abord, tout va partir de la métropole qui va, elle, actionner le désir de colonisation. Ensuite, ces colonies, lorsqu'elles sont occupées, administrées, on envoie un gouverneur et un intendant de métropole. Le gouverneur, c'est le pouvoir militaire et l'intendant, c'est le pouvoir civil. La colonie va en effet exporter les produits coloniaux locaux, comme le sucre, le café, l'indigo.
ou coton, et elle va importer des produits qui viennent de métropole, notamment de la farine, du vin, vous avez aussi des fois du bois. Alors, cette société, elle s'organise de la manière suivante. 10% de la population en moyenne sont ce qu'on appelle les blancs créoles ou les Européens qui viennent s'installer dans ces colonies. Eux, ils sont libres, ils peuvent exercer dans l'ensemble des fonctions de la société, c'est-à-dire qu'ils peuvent servir à la fois le pouvoir, mais également entretenir des activités privées, négoces, dans la justice, ou bien entreprendre des activités agricoles en devenant propriétaire d'habitation. Vous avez ensuite une classe intermédiaire, qui est la classe des affranchis, ce qu'on appelle les gens libres de couleur à l'époque, ou libres de couleur, eux qui vont représenter dans une moyenne un petit peu globale, hein, sur toutes les colonies françaises, environ 8% à partir du milieu du XVIIIe siècle jusqu'au XIXe siècle. Alors eux, ils ont une particularité, ils sont soit nés d'une relation illégale et non reconnue entre une esclave et un homme blanc. Souvent, ils vont être affranchis, ou certains vont même réussir à racheter leur liberté. Mais ils sont libres, mais ils ne sont pas forcément égaux aux blancs. Par exemple, vous avez des fonctions, dans notamment l'institution militaire, où il y a une barrière ségrégative, où on ne peut pas accéder à telle charge d'officier. Ça, c'est avant la Révolution française. Ensuite, vous avez également des secteurs où l'affranchi ne peut pas exercer. Par exemple, il ne peut pas devenir avocat, ni juriste, donc ni juge, ou bien tout simplement avoir le titre de négociant, ce qui ne les empêche pas évidemment de faire du commerce. Ils peuvent être également propriétaires de plantations et bien posséder également des esclaves. Et puis, évidemment, la partie qui va nous intéresser, c'est les 82% restants, qui sont évidemment ces esclaves. Ils sont environ 700 000 à la veille de la Révolution française. Ils sont donc en statut non libre, édifié par le Code noir de 1685. Ce sont donc des biens meubles qui appartiennent donc à un propriétaire. Et donc, ils n'ont aucune liberté. Ils peuvent néanmoins racheter leur âme, toujours avec l'autorisation de leur maître. Vous avez deux types d'esclaves qui sont présents. Vous avez ce qu'on appelle les bossales, qui sont donc du terme bosales, ceux qui viennent donc du grand continent, donc traite négrière en provenance d'Afrique. Et puis, vous avez ceux qui vont naître directement sur la colonie, donc sur l'habitation, qui vont eux-mêmes s'appeler les créoles. Rappelons également l'origine des esclaves bossales. Ici, vous avez une carte qui représente les grandes zones, justement, qui ont été utilisées par les marchands français, selon les périodes. Alors évidemment, la France a acheté 2 millions d'esclaves durant cette période, hein, en général. Hein. Vous avez entre 1642 et 1740, 50% des captifs, par exemple, qui viennent de Sénégambie, donc le Sénégal et la Gambie actuelle, ou de Haute-Guinée. Ensuite, de 1750 à 1789, vous allez avoir également d'autres spécialisations, d'autres ports ou comptoirs négriers qui vont s'établir, notamment entre 1730 et 1789, donc, c'est-à-dire la Côte de l'Or ou la baie du Bénin, avec Ouida, par exemple, qui est un port très important, où on va retrouver 20% des captifs dans les colonies françaises. Vous allez avoir également l'Afrique centrale ou avec la baie du Biafra, donc ce qu'on appelle la région Congo, où vous allez avoir 25% des captifs qui vont être justement transités en traversant l'Atlantique en direction des colonies américaines. Concernant la traite orientale, elle est un peu moins importante pour les Antilles, mais elle représente néanmoins quand même 2 à 4% des captifs entre 1780 et 1800. Alors, comment s'organise la vie sur les plantations? Voilà ce que dit Pierre Bessales en 1830, à la page 69, « Tous les nègres sont des empoisonneurs ». Alors, quand on regarde un petit peu l'organisation des plantations, d'abord, il y a une stratification, c'est-à-dire une séparation des esclaves qui sont d'abord chargés de la grande casse, ce qu'on appelle les esclaves domestiques. Donc, nous trouvons des dames de compagnie, des nourrices, des bonnes, des cuisiniers, moi-même vois parfois des secrétaires qui vont être chargés de s'occuper de l'administration du propriétaire. Ensuite, vous avez une catégorie intermédiaire qu'on appelle les esclaves à métier ou les esclaves à talent. Donc, c'est ceux qui possèdent soit déjà un savoir-faire quand ils viennent directement d'Afrique ou qui vont l'acquérir sur la plantation. Nous avons donc des raffineurs, des charpentiers, des menuisiers, pour ne citer quelques exemples. Et puis, vous avez la grande partie des autres esclaves qui, eux, sont ce qu'on appelle des nègres de terre à l'époque dans les sources, ou des esclaves des champs, ou des esclaves de terre. Eux, ils vont avoir le travail le plus difficile, le plus usant. Ils vont subir également de plein fouet, si je peux me permettre, la violence des commandeurs esclaves choisis par le propriétaire, mais également, des fois, du maître soi-même.
Ils représentent la grande masse des esclaves qui permettent la production de ces cultures coloniales en direction, je le rappelle, de l'Europe. Alors voilà ce que nous disait la lettre du grand juge Le Fessier-Grandpré en 1804 à l'île de la Martinique contre une confédération nombreuse de malfaiteurs organisée avec une sorte de méthode ayant donc des signes, des mots de passe, de ralliement, leurs correspondants colportant le poison dans tous les ateliers. Alors, très important, on va maintenant s'interroger au vu de cette carte, est-ce que c'est un phénomène qui est propre aux sociétés esclavagistes? Est-ce qu'il y a seulement la Martinique qui serait finalement touchée? Ou est-ce que toutes les autres colonies françaises ont également été touchées par ce phénomène? Ici, sur cette carte, nous avons les territoires qui sont représentés en noir. Ce sont les territoires qui ont été possédés par la France durant la première colonisation. En 1804, Haïti naît, donc Saint-Domingue est perdu. Rappelez-vous également que vous avez des îles de Saint-Martin et Barthélemy qui sont déjà dans ce processus de domination française. Saint-Christophe, elle, sera perdue en 1713. La Guadeloupe, elle, va rester, elle est aujourd'hui un département région d'outre-mer. La Dominique, elle, va être cédée au traité de Paris en 1763. La Martinique, elle, est toujours un département région aujourd'hui. Sainte-Lucie, elle, sera perdue en 1803. Grenade sera perdue au traité de Paris. Et Tobago sera évidemment perdue pendant l'Empire. Très important, on va s'intéresser d'abord sur Saint-Domingue. Saint-Domingue, c'est 400 000 esclaves. Et durant cette période, on va avoir un recensement approximatif du nombre d'affaires d'empoisonnement. Alors, pourquoi je dis approximatif? Parce que nous allons avoir des fois des problèmes de régularité dans la gestion, dans la tenue des registres qui permettent d'informer les élites à l'époque des événements qui se passent sur les plantations. On imagine qu'il y aurait peut-être une trentaine d'affaires d'empoisonnement et entre 600 et 6000 victimes, blancs et noirs compris, qui auraient été touchées par ces phénomènes d'empoisonnement. Donc, ce qui serait finalement un phénomène assez important et plutôt régulier qui touche cette société esclavagiste. Concernant les deux autres colonies qui, aujourd'hui, la Guadeloupe et la Martinique, qui sont aujourd'hui des départements région d'outre-mer, on a un recensement également approximatif sur la première période. Entre 1720 et 1775, on est deux colonies confondues. 206 esclaves auraient été donc accusés d'empoisonnement ou bien de maléfice. 45 vont être condamnés à la peine de mort. 31 vont être envoyés aux galères, c'est-à-dire en direction de la métropole. 59 reçoivent des peines afflictives, c'est-à-dire des peines assez lourdes avant de regagner leur plantation. Et d'autres vont être jugés avec ce qu'on appelle des peines légères, c'est-à-dire à peine une quinzaine de coups de fouet. Et une marque sur l'épaule, et ensuite il retourne sur la plantation. Alors évidemment, ça reste toujours des peines d'une violence inouïe. Nous sommes dans une société ultimement violente. Alors maintenant, sur notre deuxième temps, nous allons voir quels sont les empoisonnements entre réel et surréel. Voilà ce que dit Schœlcher en 1842 dans l'ouvrage intitulé « Colonies françaises, abolition immédiate de l'esclavage ». C'est une maladie de pays à esclaves. Il est dans l'air. La servitude en a chargé l'atmosphère des colonies. De même que les miasmes pestilentiels, la charge de fièvre jaune. Le poison est une arme terrible et impitoyable aux mains des Noirs, arme des lâches, sans doute à laquelle l'esclavage les condamne. Alors, je vais vous montrer un extrait que j'ai coupé du film Bois d'ébène, réalisé par Moussa Touré en 2016, justement, sur une reconstitution d'un début d'une affaire d'empoisonnement. Je vous laisse évidemment la regarder. Pour moi, l'empoisonnement ne fait aucun doute. Il est mourant. Il ne peut avoir été causé que par le poison. Alors, quel poison? Je ne sais pas. Du poison, c'est certain. Nous avons perdu un bœuf aujourd'hui. Avec les animaux de la semaine dernière, cela fait 3 bœufs et 2 mulets. Il y a des empoisonneurs parmi vous. Ces crimes sont punis de mort. Si quelqu'un connaît les coupables, qu'il les dénonce immédiatement ou il sera poursuivi pour complicité. Je vous tiens tous pour responsables. Vous allez devoir me rembourser le prix des bêtes mortes. Pour cela, vous travaillerez le samedi et le dimanche pendant un mois. Si vous n'êtes pas content, dénoncez les coupables et je lèverai les sanctions. En attendant,
regagner immédiatement vos cases. Alors, sur cet extrait que j'ai sélectionné, il y a pour nous deux intérêts à la fois pédagogiques et aussi sur l'analyse qu'on peut faire à partir, nous, des sources écrites. C'est-à-dire que si on a un bétail qui serait donc mourant, et très rapidement, on a vu donc deux propriétaires d'esclaves, donc de plantations, qui vont tout de suite partir du principe que c'est le poison. Alors, quelle forme de poison? Ils n'ont aucune réponse, mais tout de suite, dans leur état d'esprit, c'est forcément des esclaves qui ont empoisonné la bête. On voit également dans un deuxième temps, sur ce mini-extrait, vous avez l'atelier, donc l'ensemble des esclaves qui sont des champs, qui est réuni devant donc, la grande case du maître, à la fois dans un ton de moralisation et de menace. Alors ici, la menace qui est utilisée pour diviser un petit peu les esclaves entre eux et donc à amener à avoir des réponses, même si elles vont être des réponses qui vont être parfois en fait, tout simplement imaginaires. Parce que parfois, en fait, tout simplement, ce n'est pas le poison qui va causer la mort d'un bétail ou bien d'une personne. Ça peut être des maladies, ça on le verra après. Ici, on va jouer sur des contraintes psychologiques et des contraintes évidemment soit physiques des fois. Donc là, ici, on va retirer tout simplement le jour du samedi hein, qui est réservé au jardin des nègres. C'est-à-dire que sur les plantations en général, les propriétaires, pour ne pas payer trop de charges, notamment sur l'alimentation des esclaves, autorisent les esclaves à posséder des carrés de terre pour faire ce qu'on appelle une plantation vivrière. C'est souvent très utile pour les esclaves, ces plantations vivrières, parce que le dimanche, jour réservé évidemment au Seigneur, mais à la messe, qui est autorisé des marchés, sur lequel les esclaves vont pouvoir échanger soit des produits entre eux, ou bien les vendre pour avoir ce qu'on appelle un pécule, dans l'optique peut-être de racheter leur liberté. Donc ici, on voit qu'il y a quand même une contrainte qui est faite directement pour obtenir très rapidement, sans passer par, je dirais, les autorités et donc une justice, la réponse. Alors, ça nous pose la question justement, pourquoi la réaction, à travers cet extrait, mais aussi ce que nous voyons dans les sources, pourquoi il y a une réaction automatique sur le poison? Et parce que vous avez tout au long du XVIIIe siècle ce qu'on appelle la figure du nègre savant à travers le regard du colon qui va se construire et qui va créer un sorte de miroir entre l'esclave et le colon. Ici, vous avez la représentation artistique de la cérémonie du bois caïman en 1791, cérémonie qui sera évidemment très importante. Alors ici, elle me paraissait importante parce qu'il y a toute la dimension mystique autour de ce rituel où certains, par exemple le colon, vont voir ceci comme évidemment une conséquence de ces nègres savants. Alors, je vais m'appuyer sur un administrateur colonial, Pierre Clément de Lossa, qui lui a officié donc, à la Nouvelle-Orléans, donc en Louisiane, en Martinique et en Guyane. Donc, il a vu justement la situation coloniale et notamment la violence du système esclavagiste sous le consulat et l'Empire. Voilà ce qu'il dit. Les empoisonneurs de profession se donnent entre eux le nom de savants. Je ne suis pas un savant, disent-ils, pour dire qu'ils ne sont pas empoisonneurs. Ça, c'est ce qu'il dit lors d'observations, notamment d'interrogatoires lors d'affaires d'empoisonnement en Martinique. Et voilà ce qu'il continue. Il continue de dire, les empoisonneurs calculent la durée de la vie de leurs victimes. Ils ont donc des tisanes qui sont des contrepoisons éprouvés. Et puis, vous avez un autre auteur très important également, qui est le père Labat, qui lui était venu à la fin du XVIIe siècle. Et voilà ce qu'il disait, parce que tous les nègres qui sortent de leur pays en âge d'homme sont sorciers, ou du moins, ils ont quelques teintures de magie, sorcellerie et de poison. Donc, c'est-à-dire que dès la naissance même de sa société esclavagiste, on va avoir l'idée qu'il y a un savoir secret, un savoir justement de la maîtrise de ces poisons. Alors, n'oublions pas non plus, nous sommes dans des colonies où il y avait déjà une flore importante, donc des végétaux également dangereux pour l'homme. Et donc, on peut bien sûr imaginer qu'il y a une transmission qui s'est faite avec les dernières communautés amérindiennes qui étaient présentes. Je rappelle que même en 1797, on avait encore des Caraïbes sur l'île de Saint-Vincent. Donc, on peut très bien imaginer également que les populations amérindiennes, Arawaks, Tainos ou Caraïbes, vont transmettre évidemment des plantes à éviter pour éviter d'avoir des commodités au niveau de l'estomac. Alors, voilà ce que dit Lossa à la page 298. En parlant toujours de ces savants, les savants, les habiles, trempent le bout de leur bois dans une substance gommeuse et mettent sous l'ongle de la poudre de mancelinier. Alors le mancelinier, en effet, c'est un arbre que nous trouvons
dans les Caraïbes, souvent près sur la plage, en bord de plage, et qui est en effet un produit hautement toxique. Donc ça, c'est quelque chose qui est avéré, avec parfois en effet des observations d'accidents qui sont commis, notamment par des jeunes qui vont ingurgiter parce que justement ils pensent que c'est un fruit qui est comestible. Alors ça, c'est le premier point. Dans les sources également, on va avoir des références à d'autres produits, comme l'arum séguignum, qui est en fait la canne marron, qui serait utilisée également dans les breuvages, ou bien sûr la racine de manioc, hein, qui, en état pur, peut elle-même représenter un poison. Alors, ce qui est sûr, c'est que le Montsolinier a été énormément référencé dans justement les procès-verbaux des différentes affaires d'empoisonnement. La canne marron, elle est très très rare, en fait elle est plutôt colportée par des colons qui s'interpréteraient comme botanistes, et la racine de manioc, nous n'avons à ce jour dans les sources juridiques, je parle, aucun élément qui permette d'affirmer que les esclaves empoisonneurs utiliseraient du manioc pour atteindre soit un animal ou soit un être humain. Alors ça veut dire qu'il y a une autre valeur qui va également arriver, c'est celle de la perception du nègre sorcier. Donc il y a un savoir-faire, mais il y a également une dimension divine, mystique, je dirais, qui est vue par le colon. Alors ici, vous avez la représentation, bien plus tardive, qui se trouve dans l'ouvrage « Le mystère du vaudou » par Laennec Urban, de Macondal. Macondal, donc, c'est la trace d'un esclave qui a vécu sous l'Ancien Régime à Saint-Domingue, qui est devenu, qui est rentré dans l'histoire, dans la grande histoire, et qui est à la fois dans une construction à la fois aussi mythologique. Alors Macondal, ici, il bandit hors du bûcher sur la place des armes du Cap lors de son exécution à mort en janvier 1758. Alors pourquoi vous parlez de Macondal? Parce que tout simplement, Macondal va avoir une influence considérable dans l'imaginaire à la fois des esclaves, mais aussi des propriétaires d'esclaves à Saint-Domingue, mais également dans la guerre d'indépendance de Saint-Domingue, pour arriver à Haïti. Alors ici, vous avez tout simplement l'arrêt de condamnation à mort, donc l'extrait des registres qui ont été conservés au Conseil supérieur du Cap. Le Conseil supérieur du Cap, c'est quoi? C'est un conseil où vous avez les grands propriétaires qui vont exercer à la fois la pratique juridique, les pratiques économiques, et qui peuvent également s'arrêter sur des décisions de justice. Le 20 janvier 1758, un arrêt qui condamne le nègre Macondal au feu. Alors voilà ce qu'on dit, on l'avait attaché avec des chaînes de fer à un poteau qui était planté au milieu du bûcher. Aussitôt qu'il a senti le feu, il a fait des hurlements effroyables, mais il a fait des efforts si prodigieux et si supérieurs aux forces de l'homme que le collier et la chaîne se sont détachés du poteau, en sorte qu'il s'est sauvé du feu, le corps en partie brûlé. Tous les malheureux, en se retirant, criait à voix haute que François Macondal était sorcier et incombustible, et qu'ils avaient eu raison de leur dire que personne n'était capable de l'arrêter. Et aussitôt qu'on pouvait mettre la main sur lui, il se changerait en maringouin. Le bourreau lui-même ne pouvait croire ce qu'il voyait. Il se jeta cependant sur le criminel, on lui mit les pieds, les mains, et on le rejeta vivant dans le bûcher. Cet événement, qui va rester finalement dans la mémoire collective, et donc qui serait avéré, parce que là on a plusieurs documents qui le recoupent, montre déjà à la fois les caractéristiques physiques de ce personnage illustre, également la force qu'il représente auprès des populations. Ce que je rappelle, que lorsque vous avez une exécution, que ce soit pour empoisonnement ou pour rébellion, en général l'exécution est publique. Elle se fait sur la place du Cap, on fait venir donc les populations servides et les populations libres de la ville pour assister justement à cette sentence violente. L'idée étant de marquer à la fois les mentalités et surtout de rappeler que le pouvoir colonial est toujours dans la maîtrise de l'ordre public. Ce qui est important, c'est que Macondal a eu plusieurs casquettes. Il aurait été donc un empoisonneur, selon les sources de l'époque. Il est connu, justement, on va le voir juste après, avec une particularité. C'est-à-dire qu'il va pratiquer également une religion qui serait secrète. Ici, on peut sous-entendre sans doute peut-être le vaudou, ou une forme qui serait à peu près similaire dans l'animisme. Ensuite, il a fait du marronnage. Alors, on est toujours un petit peu dans l'incertitude. Certains disent 6 ans, d'autres voire 18 ans. Donc, c'est un homme qui, par opposition, est un danger pour la société coloniale, car il représente. Et puis, certains vont même dire qu'il aurait donc été celui qui aurait comploté pour renverser les Blancs
à Saint-Domingue et fonder une nouvelle société. Alors ça, encore une fois, je mets des hypothèses parce que c'est l'interprétation qui est faite à l'époque par les sources, sachant que comme il représente une menace, on va évidemment, sans forcément vérifier si c'est vrai, surjouer sur cette peur, sur cette psychose en plein milieu du XVIIIe siècle. Alors, quand je vous disais justement, selon Jacques Courtin, donc homme de justice, qui a rédigé un mémoire sommaire sur les pratiques magiques et empoisonnements prouvés au procès instruit jugé au Cap contre plusieurs nègres et négresses, dont le chef nommé François Macandal, en 1758, donc dans les archives nationales, voilà ce qu'il dit. On s'accoutumait à profaner l'encens béni, l'eau bénite, et enfin le crucifix même. François Macandal a fait dans son interrogatoire au Conseil une déclaration qui mérite attention. Ici, ce sont les fameux paquets de Macandal qui auraient été justement donnés, remis aux personnes qui étaient avec lui, à la fois dans un but de créer une dimension spirituelle, mais ici, le pouvoir colonial s'en empare comme une menace potentielle avec donc des objets qui sont souillés, peut-être de poison, et qui seraient à destination, évidemment, peut-être de libres de couleur ou d'autres esclaves. Ici, on renvoie à l'image qu'on retrouve dans le vaudou, au Ougan, c'est le nom donné à un chef spirituel. Et d'ailleurs, quand on va parler à Saint-Domingue de Macanda, en fait, on parle de sorcier malfaiteur, qui renvoie pour l'administration coloniale à l'empoisonneur. Cette forme-là, on la retrouvera également avec le quimbois en Guadeloupe et en Martinique, qui va s'inscrire également dans ces pratiques mystiques de magie noire, je mets entre parenthèses, qui a but évidemment de détruire les personnes. Et d'ailleurs, je reprends toujours Lossa Pierre Clément, qui en parle en 1804, parlant justement d'une esclave qui a empoisonné sa maîtresse au Saint-Esprit. Voilà ce qu'elle dit. Par ailleurs, le corps de la fiancée est enterré en secret au Saint-Esprit parce qu'on redoutait que son corps ne devienne l'objet de préparation et qu'il servît à des opérations magiques, comme pour en faire des petits paquets qu'on pouvait trouver à Saint-Domingue. Alors, les paquets magiques, c'est uniquement rapporté dans les sources qui concernent Saint-Domingue. On n'a pas retrouvé à ce jour, en Guadeloupe et ni en Martinique, ce genre de pratique. Maintenant, est-ce qu'il y a eu connaissance? On peut évidemment bien sûr l'imaginer. Alors, très rapidement, lorsque vous avez des affaires d'empoisonnement, le pouvoir colonial et les propriétaires d'esclaves essaient de rechercher les causes, les mobiles. Et c'est là où on va voir dans les sources une construction, à la fois une croyance et donc tout un imaginaire qui va renforcer encore plus la méfiance et la haine, je dirais, entre la figure de l'homme noir. Voilà ce que dit Lossa à la page 209. « Les nègres esclaves empoisonnent les bestiaux, s'empoisonnent entre eux, mais en général épargnent les blancs et surtout les maîtres. » Alors, ce qu'il dit, en fait, en effet, il y a en effet des deux salles, par exemple, on fait référence, qu'en général, quand il y a des affaires d'empoisonnement, le blanc est peu touché. On va essayer de comprendre pourquoi ensuite. Pourtant, il y a d'autres affaires où, justement, on va s'intéresser. Alors, ça corrobore, c'est que les premières victimes des affaires d'empoisonnement, souvent, en effet, ce sont soit des animaux, donc du bétail, ou soit des populations serviles. Alors voilà ce que nous dit le jugement rendu par le tribunal spécial de la Martinique dans la commune de Basse-Pointe, déclare le nègre Jean-Denis, appartenant à M. Léritz, convaincu d'avoir empoisonné Rosette, sa femme, esclave de son maître, ainsi que les esclaves Fabien, Léon et Jacques, et d'avoir exercé le métier d'empoisonneur en contribuant à l'exhumation des cadavres. On poursuit toujours dans cette déclaration, déclare la négresse Charlotte, esclave toujours du sieur Léritz, dûment atteinte, d'avoir fait périr les enfants des négresses qu'elle a couchées, en leur coupant le nombril avec les ciseaux empoisonnés. Donc ici, dans ces documents qui sont à la fois juridiques, on a un constat qui est assez glaçant, c'est-à-dire qu'en fait, si ces affaires d'empoisonnement ont lieu, elles concerneraient d'abord des problèmes plutôt individuels, des problèmes de relations. Ici, un féminicide, par exemple, si on revenait dans la relation entre le mari et la femme, ou bien peut-être un problème de voisinage, ou bien encore des infanticides sur des enfants qui accoucheraient. Alors, ces informations, quand on prend du recul, évidemment, on essaie de le déconstruire, on peut voir deux choses. D'abord, il peut y avoir des maladies qui vont décimer les populations esclaves, ou bien des violences conjugales. Nous sommes dans une société qui est violente, donc les rapports peuvent être également très tendus. Concernant les enfants des négresses qu'elle a couchées, en coupant les nombrils, depuis de nombreuses années, on s'est rendu compte, en effet, que le taux de naissance des enfants de la catégorie esclave sont très faibles. N'oublions pas une chose, nous sommes dans une époque où les conditions à la fois hygiéniques ne sont pas satisfaisantes. Vous avez également
déjà la condition même déjà de la mère esclave, qui est souvent sous-nourrie, qui peut subir des maltraitances. L'accouchement est très mal maîtrisé. On a peu de personnes qui sont habituées justement à des accouchements. Et puis, n'oublions pas également, il y a aussi des affaires d'infanticide qui ne sont pas forcément liées à l'empoisonnement, mais qui vont être toujours reliées avec cette recherche mystique de « c'est à cause des empoisonneurs qu'on a perdu ces enfants-là ». N'oublions pas qu'à l'époque, vous avez beaucoup de femmes qui se font couler le ventre avec la technique du bâton ou qui font justement introduire une lame au niveau justement de leur vagin pour tuer leur nouveau-né. La raison n'est pas un plaisir à tuer le nouveau-né, mais n'oublions pas que nous sommes ici face à des personnes qui subissent une violence totale. Et donc, vous avez évidemment une volonté de ne pas mettre au monde des enfants dans un contexte aussi violent. Je continue. Également, toujours Lossa qui nous cite « Zabeth se serait suicidée dans sa prison car elle a eu au petit doigt un ongle énorme roulé en cornet et rempli d'un poison subtil, mais les nègres de l'habitation pensent que c'est le diable qui lui a tendu le cou comme il en avait le droit. » Ici, c'est intéressant parce que Lossa nous rapporte cet événement qu'il a eu en échangeant avec des propriétaires donc de la commune du Saint-Esprit, où là, les propriétaires eux-mêmes sont dans la croyance d'un diable, d'un mauvais esprit, qui serait finalement venu tordre le cou comme pour venger l'injustice qu'elle a causée justement sur une personne innocente, selon évidemment le point de vue colonial. Il y a aussi un autre élément qui rentre en jeu et qui va renforcer encore plus ce qu'on appelle cette psychose coloniale, c'est Haïti. La loi du 20 mai 1802 qui maintient l'esclavage dans les colonies et qui la rétablit en Guadeloupe et en Guyane va s'avérer être catastrophique pour le corps expéditionnaire Leclerc avec cette guerre d'indépendance, ou bien même si Toussaint Louverture va être déporté, De Salines lui va reprendre justement l'alliance des armées à la fois de noir et de couleur pour combattre et tout simplement réduire le corps expéditionnaire français. Lorsque Haïti va naître en 1804, le 1er janvier, on va mettre en place une constitution qui va marquer à la fois l'état d'esprit des contemporains. Je rappelle juste la constitution de 1805, prise par l'empereur d'Haïti De Salines. L'esclavage est à jamais aboli. Les citoyens haïtiens sont frères entre eux. L'égalité aux yeux de la loi est incontestablement reconnue. Il ne peut exister d'autre titre, avantage ou privilège que ceux qui résultent nécessairement de la considération en récompense des services rendus à la liberté et à l'indépendance. C'est-à-dire que dès la naissance d'Haïti, vous avez un écho extraordinaire au sein des populations serviles. D'ailleurs, on le voit dans les correspondances, on ne n'évoque jamais dans les correspondances françaises le problème de Saint-Domingue. D'ailleurs, elle est quasiment taboue. Dans les actualités, notamment des gazettes, on n'en discute pas. Mais par contre, il y a des échanges qui sont faits dans les villes, notamment dans les espaces portuaires, où vous allez avoir des informations qui vont être remontées par les matelots ou par les marchands étrangers. Et donc, les esclaves qui sont en contact avec ces populations vont avoir connaissance de ce qui se passe. Donc, l'information circule. Certes, elle circule de manière non continue, mais elle circule quand même. Donc, c'est-à-dire que les propriétaires vont avoir, dès cette naissance haïtienne, la sensation que les esclaves, dès qu'ils vont utiliser le poison, sont là, en fait, pour détruire tout simplement le pouvoir blanc. Donc, les différents mobiles, selon le point de vue des Blancs, c'est d'abord détruire la richesse du colon. Le syndrome de Saint-Domingue va être celui qui va s'accentuer, c'est-à-dire que de 1804 jusqu'à 1831, on va avoir des colonies qui vont pratiquer ce qu'on appelle l'usage de violence domaniale ou bien la violence légale par le biais d'un tribunal spécial. Ensuite, il y a également le fait d'expliquer l'échec économique. Les planteurs ont expliqué qu'il y a le climat, il y a aussi le problème des poisons. Je rappelle qu'en fait, le système colonial français, avec la Révolution française, le cours du sucre s'effondre, la concurrence avec le sucre de betterave qui arrive au 19e siècle, font que les planteurs sont endettés, ils n'arrivent plus à vendre leur surplus de stock, et donc ils vont essayer de trouver des arguments sur lesquels ils justifient leur échec économique. Donc le poison fait partie également de cet échec économique. Le préjugé négatif, l'homme noir est vu comme une menace, comme quelqu'un d'inhumain. D'ailleurs, on le voit par rapport à ces quelques extraits des procès-verbaux, où ils seraient finalement capables de tuer leurs femmes ou voir des enfants, donc des cruels, des meurtriers finalement, des meurtriers assoiffés de sang, à travers évidemment l'usage du poison. Et évidemment, ce sont des préjugés qui sont partagés, parce qu'on va le voir également, les populations serviles vont également subir cette croyance qui vient à la fois des colons et du pouvoir colonial, avec également cette représentation d'un pouvoir mystique, de la magie, du poison et de la sorcellerie.
C'est à ce moment-là qu'on va voir, par exemple, la bénédiction autour des cases pour se protéger des mauvais esprits ou justement le fait de faire attention de ne pas croiser ou de ne pas mettre en mauvaise humeur un commandeur qui pourrait se venger par l'usage du poisson. Alors, ça, cette dernière partie, elle va nous intéresser évidemment sur la réponse, parce que c'est celle qui va nous laisser le plus de traces de ces affaires d'empoisonnement. C'est la répression coloniale, et ce qu'on appelle la répression domaniale. On va parler ici volontairement de terreur blanche. C'était un terme qui était utilisé pour la métropole lorsqu'il y a eu la restauration avec Louis XVIII et Charles X contre les révolutionnaires. Ici, la terreur blanche, c'est vraiment dans l'objectif de mettre fin à ce fléau infernal. Car pour les colons, dès qu'il y a une mort suspecte, c'est forcément du poison. Alors la réponse juridique, notamment pour la Guadeloupe et la Martinique, est intéressante. D'abord, on va avoir la mise en place de ce qu'on appelle une cour prévôtale. D'ailleurs, cette cour prévôtale est disponible grâce aux ordonnances criminelles de France de 1670. Donc en 1725, on observe quasiment en même temps, sur la Guadeloupe et la Martinique, une justice prévôtale qui va être mobile, donc elle est exceptionnelle et non régulière. Le tout est d'intervenir rapidement. Ensuite, on va avoir des ordonnances qui vont être prises en 1749 ou en 1757, où on va commencer à réaliser des autopsies sur les victimes, soi-disant d'empoisonnement, par des chirurgiens médecins sur l'habitation. Alors, ces ordonnances, elles vont être réaffirmées tout au long du XVIIIe siècle, sans forcément trop de succès. Plusieurs raisons à cela. D'abord, il y a des corps qui ne vont pas forcément être autopsiés pour des raisons de conservation. Vous avez très peu de chirurgiens médecins qui sont disponibles sur les plantations, donc ça veut dire le temps d'en acheminer un. Et puis, vous avez toujours ces questions également de croyance à des magies ou à des sorcelleries, où parfois, on va avoir des pressions qui vont être faites sur les plantations pour éviter d'avoir une autopsie réalisée sur tel ou tel corps. De 1752 à 1789, donc avant la Révolution française, on va avoir ce qu'on appelle des commissions extraordinaires mobiles en Martinique et en Guadeloupe. Toujours dans le même objectif, il y a une affaire d'empoisonnement. On envoie donc des propriétaires reconnus par le pouvoir colonial et par le Conseil souverain pour essayer de régler au plus vite ces affaires d'empoisonnement. Pendant la période britannique, par exemple en Martinique, en 1789, on a un arrêt du Conseil souverain qui concerne l'exercice de la médecine et de la chirurgie. Et on va réglementer à plusieurs reprises les marchands droguistes et d'apothicaires. Je rappelle également qu'on trouve en fait de l'arsenic. L'arsenic est très utilisé à l'époque par les droguistes et apothicaires, et donc on part du principe que l'arsenic est l'arme principale utilisée également, quand ce n'est pas utilisé par les plantes, par les empoisonneurs. Donc on va avoir une réglementation très stricte sur ces fonctions professionnelles. En réalité, elle va être très peu suivie. La raison est la suivante, c'est que vous avez énormément de circulation sur les colonies, des esclaves qui ont des laissez-passer pour aller acheter de l'arsenic dans des buts évidemment d'hygiène, d'usage industriel, etc. Donc, le pouvoir tente en effet de mieux vérifier les stocks, notamment d'apothicaires, mais en réalité, c'est très compliqué parce que vous avez une demande très forte sur les plantations ou dans les villes qui finalement empêche par manque de moyens et de personnel la surveillance de ces éléments-là. Donc on a en plus très peu finalement de registres qui tiennent aussi sur les stocks, sur les personnes qui ont réacheté. Est-ce que par exemple des plantations qui sont touchées par des affaires d'empoisonnement de manière récurrente, je pense notamment à l'habitation Les Ritz, est-ce que c'était une plantation qui avait l'habitude par exemple d'envoyer des esclaves aller acheter chez les droguistes ou apothicaires de l'arsenic par exemple. Ça, on n'a pas ces éléments-là qui pourraient des fois permettre de peut-être comprendre certaines logiques. Toujours la même année, en juillet, on va avoir un règlement qui va concerner le mode de procédure et d'instruction contre les empoisonneurs. On va faire l'interrogatoire. Ensuite, on va avoir le contre-interrogatoire. Donc tout ça, on est en train d'essayer d'améliorer la procédure judiciaire pour essayer de comprendre justement s'il y a vraiment un cas d'empoisonnement. Pourquoi ? Parce que depuis la fin du XVIIIe siècle, en général, les juristes ont beaucoup de doutes lors de ces affaires, notamment parce qu'il n'y a pas de preuves. On n'a pas retrouvé le poison, on a juste des victimes, et encore, on n'a pas donc de preuves matérielles, et donc ça pose un gros problème. C'est donc finalement parole contre parole. En octobre 1803, cette fois-ci sous le consulat, on va mettre en place ce qu'on appelle un tribunal spécial. Le tribunal spécial, c'est un tribunal qui existait également en métropole. C'est un tribunal qui a plusieurs objectifs, et je vais vous le montrer juste après, et qui va être maintenu pendant très longtemps. Alors, voici le deuxième extrait qui permet un petit peu de comprendre pourquoi on a une pression juridique. «
Si nous voulons mettre fin aux infâmes activités des empoisonneurs, vous devez, gouverneur, laisser les colons libres des moyens par lesquels ils y parviendront. Je comprends votre inquiétude, monsieur Blessard, mais je ne peux permettre aux colons d'appliquer des sanctions extrêmes sans qu'il y ait de procédure judiciaire. Surtout pendant que ce jeune juge de métropole... Juston. Adolphe Juston. Surtout pendant que le juge Juston est dans notre île. La cour prévôtale a rendu des dizaines de condamnations et a jugé encore des dizaines d'affaires. Nos prisons sont pleines. Je ne peux pas et ne veux pas faire plus. Sans le respect d'un minimum de procédure, combien de prétendus empoisonneurs seront exécutés sans que la preuve de leur culpabilité soit clairement établie? La preuve est sur le bureau. Le docteur Lapierre était formel. Ce foie est celui d'un animal empoisonné. Les herbes aux racines retrouvées chez les suspects peuvent se faire rendre malade, mais ils seraient bien incapables de tuer un homme, et encore moins un bœuf. Mais représentez-vous la perfidie dont ces nègres sont capables. Ce sont les nègres les mieux traités qui empoisonnent. C'est même à se demander si les nègres libres ne sont pas les chefs du complot. Madame Delage a été empoisonnée par sa plus dévouée servante. Monsieur Delanou a perdu tous ses bœufs, et qui les a empoisonnés? Le nègre à qui il a appris à lire, à écrire, et à qui il venait de permettre de racheter son corps. Cécile Tournon, elle a été empoisonnée par celle qui a été sa nourrice, une mulâtresse. Cécile avait 19 ans, monsieur. Oui, 19 ans. Elle était promise au plus bel avenir. Monsieur de Sarre, je vous le répète, la cour prévôtale fait son travail. Certes, c'est long, mais il n'y a pas d'autre moyen. La cour prévôtale ne sert à rien. Vous en faites pourtant partie. À vouloir singer la justice de la métropole, nous n'arriverons jamais à rien. Voyez Marie-Louise, chez Madame Lambert. Elle a fait appel de sa condamnation, a été transportée en France pour être entendue, et a été soutenue par toutes les vociférations des amis des nègres. Résultat? Elle n'était condamnée qu'à une légère peine de prison. Est-ce ainsi que l'on va assurer la tranquillité de notre île? Non. Il faut terroriser les nègres. Par des jugements rapides, exemplaires, montrant la plus extrême fermeté. Et si dans l'exercice de ces jugements rapides et impitoyables roulent les têtes de quelques innocents, le prix à payer sera bien mince au regard de ses bienfaits. Messieurs, alors justement, en vous montrant cet extrait. C'était pour vous montrer, alors c'est encore une fois une reconstitution, mais qui finalement s'est appuyée, parce que le réalisateur s'est beaucoup appuyé sur les sources et donc les comptes rendus. On voit bien ici un échange qui aurait pu être possible avec cette pression qui est faite par des propriétaires, je dirais, lobbyistes auprès donc du gouverneur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est afféré, parce qu'on voit justement quand il y a des affaires d'empoisonnement, toute une pression qui est exercée sur le pouvoir colonial. Là, l'argumentaire est très simple, hein, c'est-à-dire que là, on est sur une demande quasiment d'appliquer une règle locale, appliquée directement par le maître, qu'on appelle le pouvoir domanial. Le pouvoir domanial, c'est celui qui exerce un pouvoir privé, donc qui est par opposition au pouvoir public. Ça, ça pose un problème justement à l'État colonial, parce que tout simplement, pour faire respecter les règles, il faut que l'ordre public soit fort. Et depuis la révolution haïtienne, on a cette tentative. Alors, l'île où on va avoir vraiment cette tentation et qui va s'avérer être la plus violente, c'est la Martinique. La Martinique, c'est toujours une société d'ancien régime. Elle est réactionnaire. Elle va surréagir en plus à l'indépendance d'Haïti. Et donc, les affaires d'empoisonnement vont être perçues comme une menace totale. Donc, vous allez avoir une réaction qui va être celle d'une peur engendrée par une haine et qui va souvent dépasser même la réalité. Rappelons-nous une chose, la plupart des morts suspectes, en fait, elles, aujourd'hui, on commence un petit peu à s'en rendre compte, elles peuvent être liées à plein de choses. D'abord, des sous-alimentations. Les esclaves sont très peu nourris ou mal nourris par le propriétaire, même s'ils ont leur propre carré de terre. Les suicides. Vous avez des personnes, en effet, qui vont ingurgiter des fois de la terre pour se suicider, qui ont finalement une sorte de poison, mais pas dans un but de poison, comme on pourrait le voir depuis le début de cet exposé. Les maladies. Les maladies sont très mal connues. Le mal d'estomac, les ulcères, ou même la tuberculose. La dengue, par exemple, ou la fièvre jaune. D'ailleurs, j'ai fait une erreur à dengue, c'est pas un I, c'est un U. La folie. Vous avez des esclaves qui sont frappés de folie et qui vont tout simplement
mourir, crise cardiaque, etc. Vous avez un rejet du discours médical à partir du milieu du XVIIIe siècle jusqu'en 1848 qui va être rejeté. La plupart des colons ne veulent pas entendre parler justement de ces autopsies faites sur des animaux. Donc, c'est-à-dire que vous avez une recherche rationnelle pour essayer de comprendre si ce phénomène est une véritable menace par le pouvoir colonial, et vous avez la pression de ceux qui disent « nous sommes les mieux placés pour parler des esclaves, nous les connaissons mieux parce que nous vivons avec », mais en fait qui engendrent cette folie meurtrière de celle finalement d'exercer une violence totale sur l'esclave. Dès qu'il y a un suspect et dès qu'il y a une rumeur qui dit « c'était l'esclave », on peut même le mettre peu rapidement exercer une sentence de mort directement sur la plantation. Donc ça, c'est très important parce que cet extrait montre à quel point justement les colons ne font plus confiance, il y a une défiance envers le pouvoir colonial en disant qu'ils ne vont pas assez loin. Et donc les colons s'estiment être les plus légitimes à administrer ce qu'on appelle le pouvoir domanial. Alors cette justice privée, est-ce que c'est une justice légitime? Par exemple, Lossa, quand il est en Martinique, il va observer plusieurs maîtres, notamment de grandes propriétés. James Emma possède des propriétés à Basse-Pointe, donc sur l'habitation Emma et au Lamantin, donc c'est un propriétaire sucrier. Il a fait importer de la Dominique ce qu'on appelle le terrible châtiment de la cage de fer pour punir les nègres coupables d'empoisonnement. C'est intéressant parce qu'il fait introduire une cage de fer durant un blocus où normalement les navires ne peuvent pas sortir de la Martinique. Donc, ce qui montre bien également en plus qu'il y a des échanges entre les colonies anglophones et françaises sur justement ces problèmes de domanial, de problèmes de sécurité, si on pourrait résumer. Et voilà ce que dit Lossa avec une certaine critique sur quelle autorité se fonde cette peine horrible où l'esclave empoisonneur, ou jugeait-elle, était condamné à périr de faim et de soif. Alors Lossa, attention, ce n'est pas un abolitionniste, mais c'est un fonctionnaire qui veut faire appliquer toutes les règles. Donc pour lui, en fait, pour ce type d'affaires, il faut faire appliquer tout simplement les principes de la justice hérités de la Révolution française. Comme beaucoup de colons vont appliquer leur propre justice à les faire mourir dans des supplices atroces, il s'indigne. D'ailleurs, il va rencontrer ce qu'on appelle la fronde blanche. Vous savez, il va être quasiment diffamé durant cette période de l'Empire. D'ailleurs, il sera très impopulaire par rapport à d'autres administrateurs. Alors voilà ce que nous dit un autre planteur, traversé au diamant, vu d'un créole sur la Martinique et l'administration qui convient mieux à la colonie. Il va dire tout simplement, les planteurs sont les plus aptes à rendre la justice sur leur habitation. Donc là, on est vraiment ici dans une tentative sur la fin de cette période esclavagiste que les maîtres, finalement, aient un pouvoir total. Ce qui est contraire, finalement, avec le Code noir, parce que l'article 43, par exemple, interdit les maîtres de se faire propre justice. Donc vous voyez que c'est assez paradoxal, mais on est dans une psychose, c'est-à-dire que la peur justifie les moyens, et donc le rôle de la rumeur et du bruit, c'est-à-dire il y a une mort, une personne qui tombe malade de manière très étrange, sans prendre en compte finalement, je dirais, les analyses médicales ou environnementales, tout de suite, on va faire torturer par l'aveu un esclave, un témoignage indirect peut suffire finalement à condamner une femme, un homme, au pire supplice. La justice domaniale privée, elle fonctionne de la manière suivante. D'abord, vous avez une mort suspecte. Le propriétaire, l'économe ou le gérer vont rapidement tomber dans la psychose. Ils vont rapidement essayer de savoir justement d'où viennent ces rumeurs et les bruits. Ils vont d'ailleurs tout de suite appliquer une discipline domaniale. L'esclave qui serait donc réputé sorcier, quimboiseur ou empoisonneur serait finalement soumis à une pression psychologique et physique. On a des aveux sous torture. On a certains propriétaires, par exemple, qui vont même tirer directement sur un esclave qui est retenu par d'autres pour le tuer parce qu'il y a une suspicion d'empoisonnement. D'autres vont les faire mourir dans les cachots. Donc, ce sont des témoignages qui sont sans fondement et vous allez avoir aussi des supplices de fouet, même sur des personnes qui sont décédées. Donc, c'est des exécutions qui sont sommaires, pendaison cage de fer, par exemple, ou des suicides. On va pousser l'esclave à se suicider dans les cachots. Donc, toute cette extrême violence, ça, on a quelques extraits justement qui n'apparaissent pas dans les documents juridiques, mais qui sont le fait d'en fait d'interprétation ou d'analyse apportée par Lossa lorsqu'il fait des tournées de plantation en Martinique. Vous savez que les administrateurs souvent font des grandes tournées et donc ils échangent avec les propriétaires qui leur rapportent en fait les certains événements. Alors, il y a une répression publique. L'État en fait va organiser également une répression publique en réponse à la pression des propriétaires. Alors, l'exemple de la Martinique est assez intéressant, notamment entre 1802 et 1842, donc sur un espace de 40 ans,
Ici, vous avez un extrait d'une bande dessinée qui a été réalisée par des élèves de mon établissement qui parlait justement du problème de l'empoisonnement. Et donc, ils ont voulu réaliser une scène justement du bûcher, parce que nous n'avons pas de représentation iconographique du XVIIIe et XIXe siècle. Et ici, je vous ai mis le procès-verbal de l'affaire de juin 1808 où une esclave a tenté d'empoisonner la mère de l'impératrice Joséphine. Condamnée, la dite Émilie, à être attachée par l'exécuteur de la haute justice sur un bûcher qui sera dressé dans le lieu le plus apparent de cette ville pour y être brûlée vive, son corps réduit en cendres et hisselle jetée au vent. On est également sur la mise en scène de procédés qui sont des procédés du Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'on va continuer à utiliser le bûcher très tardivement, voire décapitation, on va des fois parfois couper le poignet avant la cérémonie. Le fait de jeter également les cendres, hein, attention aussi, c'est le fait d'envoyer un message qu'il n'aura pas de tombe, il ne sera pas enterré, c'est-à-dire que son corps est poussière. Donc, il ne faut pas en faire une sorte de symbole ou de martyr, justement, dans la lutte pour la liberté. Le tribunal spécial, par exemple, c'est le tribunal qui permet de mettre en place ces justices extraordinaires. D'ailleurs, tout au long de la période en Martinique, on va utiliser le même mécanisme. Vous avez un président de tribunal d'assemblée qui est souvent un homme d'armes, un militaire. Vous avez un lieutenant de gendarmerie, des commissaires civils du quartier, donc des propriétaires. Vous avez des habitants notables qui ne font ni partie du conseil souverain. Vous avez des propriétaires du même quartier qui permettent, lorsque cette juridiction mobile arrive dans une commune, de connaître un petit peu les spécificités. Vous avez un commissaire du gouvernement, normalement, qui siège à Fort-de-France. Et vous avez un greffier qui permet en fait d'attester. Les affaires de tribunal spécial sont expéditives, mais elles doivent s'appuyer notamment sur des preuves. La plupart de ces affaires souvent dévoilent qu'il y a quand même une très grande absence de preuves matérielles. Les témoignages, en fait, les témoignages deviennent des preuves qui sont quasiment des preuves directes, alors que normalement, ce sont des preuves indirectes. Aucun appel est possible pour les esclaves, même si on va avancer vers la période de la fin du système servile, plus on va voir notamment dans ces procédures juridiques le fait que les esclaves peuvent être défendus. Alors évidemment, c'est très compliqué, notamment lorsque vous avez une affaire pour empoisonnement. Alors ce tribunal spécial, il ne s'intéresse pas qu'aux affaires d'empoisonnement, en fait. Vous avez, lorsque vous avez des problèmes d'incendie sur les habitations ou de cases, quand vous avez des assassinats d'esclaves ou de libres, la désertion, l'espionnage, le vol ou enlèvement de pirogues, le marronnage ou les complots et réunions d'esclaves. Donc, c'est-à-dire que, en fait, le tribunal spécial n'a pas été créé pour l'empoisonnement. Par contre, il va vraiment être mobilisé rapidement quand il y a des affaires d'empoisonnement. Ça permet, on pense dans le gouvernement de l'époque, de rassurer les colons. Ici, vous avez une scène en fait, qui permet de voir justement la condamnation à mort des condamnés amenés par justement la troupe, la gendarmerie coloniale. Alors, en Martinique, on a des communes qui ont été énormément touchées par les affaires et le tribunal spécial a retracé évidemment les différentes affaires. Donc, on voit par exemple que vous avez la côte est, notamment nord-est, où vous avez énormément de problèmes sur les plantations à Bass Pointe. Alors ici, c'est sur la période 1802-1809. L'idée serait évidemment de réactualiser la prochaine fois toutes les affaires d'empoisonnement qui auraient eu lieu, hein, parce que là, c'est concernant que les affaires d'empoisonnement. Entre 1802 et 1815, on a 30 affaires qui sont jugées. 8 seulement pour la Guadeloupe. Hein, les chiffres qui sont en rouge, c'est la comparaison avec la Guadeloupe. Le nombre d'esclaves auditionnés, c'est 203. En Guadeloupe, c'est 23. Le nombre de condamnés à mort, c'est-à-dire au bûcher, c'est 127 personnes, contre 5 pour la même période. Le nombre de condamnés à la galère, à la déportation, il y en a 26. Je n'ai pas eu les chiffres pour la Guadeloupe sur la période de l'Empire, enfin, du consulat et de l'Empire. Il faut savoir que pour la Martinique, cela va continuer. En 1809, la Martinique tombe sous domination anglaise. Les Anglais vont maintenir le tribunal spécial, avec évidemment la pression des colons qui demandent une justice extraordinaire. Ensuite, vous avez la cour prévôtale qui va commencer en 1822 jusqu'à 1827. Là, cette fois-ci, on est avec le général d'Onslow sous la Restauration. 30 affaires vont être jugées, environ en Martinique. 448 esclaves vont être auditionnés. Alors, vous voyez, par exemple, pour la Guadeloupe, on n'a pas du tout de chiffres sur ces affaires-là. Elles sont donc peut-être très rares, très occasionnelles. Je continue. Toujours sur cette période, on a 108 esclaves condamnés à mort.
pour affaire d'empoisonnement. 86, d'ailleurs, vont être déportés directement vers la métropole. Et on a également les cours d'assises. Cette fois-ci, ce n'est plus une justice exceptionnelle, mais c'est une justice civile qui va continuer en 1831-1842. On va avoir 52 affaires d'empoisonnement pour 126 nombres d'esclaves auditionnés. 24 vont être condamnés à mort et le nombre de personnes déportées vers la France sera beaucoup moins important. Alors, ce qui nous intéresse, c'est que quand on est dans une justice d'exception gérée par les militaires, donc de répression, on a une augmentation du nombre de condamnés à mort, donc d'indemnisation. Parce que je rappelle que les esclaves qui sont condamnés à mort par l'État, la somme va être donnée au maître pour racheter d'autres esclaves. Donc, il y a une logique également économique. Dès qu'on est sur des cours d'assises, d'abord, vous avez la présence d'avocats sur la dernière période, donc qui rend plus difficile justement le fait d'enregistrer une affaire pour empoisonnement s'il n'y a pas de preuve. Et puis, vous allez avoir une tendance à avoir moins de condamnés à mort. Je rappelle que depuis 1815, l'introduction d'esclaves est illégale et donc très faible. Donc ça, c'est intéressant parce que ça nous montre justement le dispositif judiciaire violent qui est mis en place, notamment pour les affaires d'empoisonnement. Le profil des esclaves sur toute la période est assez intéressant. C'est plutôt donc des hommes qui sont réputés comme empoisonneurs. Entre 1700 et 1789, 78% des empoisonneurs sont des hommes, contre 22% de femmes. Sur la dernière période, 1789-1848, c'est 64% d'hommes pour 36% de femmes. Alors, évidemment, c'est des chiffres qu'il faut relativement critiquer, parce que comme je vous l'ai dit pendant toute cette présentation, en fait, on a beaucoup d'affaires qui sont des hypothèses d'empoisonnement. Mais comme la peur alimente directement une violence institutionnelle ou une violence domaniale, on va partir du principe qu'ils sont empoisonneurs, même si on n'a pas forcément les preuves. En conclusion, le poison est perçu donc comme une menace directe à l'ordre colonial, et ça, on le voit justement à travers ces trois exemples, et notamment l'exemple de la Martinique. L'accentuation de la Révolution française et d'Haïti vont poursuivre, si vous voulez, cet imaginaire, cette croyance, à la fois chez les colons, mais également une croyance qui est très forte chez les esclaves. D'ailleurs, on le retrouve aussi de manière culturelle. Quimboiseur, par exemple, existe toujours dans les pratiques, avec toujours cette crainte de frapper quelqu'un par un pouvoir qui serait donc finalement mystique. Et donc, finalement, les affaires d'empoisonnement montrent une chose, c'est que la violence domaniale va être renforcée jusque dans les années 1830. Et paradoxalement, c'est le pouvoir colonial qui va commencer à limiter, en fait, cette violence privée qui lui échappe. Je vous remercie de votre écoute et j'espère que ça n'a pas été trop long. Merci beaucoup à M. Tragny pour cette intervention qui nous a vraiment donné quelques clés pour aborder un sujet qui n'est pas très connu. Oui. Alors, je vous dis que nous avons reçu beaucoup de questions. Nous avons des questions qui nous arrivent d'un peu partout, de la Guadeloupe, de la Guyane, même de Londres, évidemment Paris aussi. Alors, je rappelle aux participants que vous pouvez donc prendre la parole. Nous allons remettre les micros. Alors, pour l'instant, je vais déjà vous lire une ou deux questions, M. Tragny, et ensuite nous irons en régie et nous donnerons la parole à quelqu'un. D'accord ? D'accord. Alors, une question. Que dit le Code noir sur les peines pour empoisonnement ? Alors, le Code noir… Excusez-moi, je vous lis deux, d'accord ? D'accord, entendu. Et puis après, on ira en régie. Et donc le Code noir et une autre question sur le profil de l'empoisonneur. Est-ce qu'il y a un profil et est-ce qu'il y a un sexe ratio ? Merci. Alors, merci pour les questions. Alors, concernant le Code noir, les 60 premiers articles du Code noir, en fait, ne donnent pas de détails sur les affaires d'empoisonnement. Ils vont renseigner sur justement si un esclave lève la main, pratique le vol ou fait du marronnage. Là, on est très, très clair. Par exemple, le marronnage, au bout de la première fois, c'est les oreilles coupées, des coups de fouet, la fleur de lys, et la troisième fois, c'est la mort. Pour les affaires d'empoisonnement, comme en fait, au moment où c'est décrété, il y a eu très peu, finalement, d'informations d'affaires d'empoisonnement. Par contre, le pouvoir local va rapidement alerter la métropole, donc le ministère des Affaires de la Marine et des Colonies, pardon, en disant, voilà, on observe des affaires d'empoisonnement. Donc, nous allons prendre des dispositions locales avec justement des sentences,
Et en fait, on va s'appuyer, par exemple, sur des ordonnances criminelles qui viennent du Royaume de France, notamment sur les affaires d'empoisonnement ou de sorcellerie. Parce qu'en fait, ce qui était difficile un petit peu dans la présentation, parce que j'aurais pu continuer à rentrer dans le détail, mais il aurait fallu beaucoup plus de temps, et je pense qu'à un moment donné, les auditeurs auraient eu un petit peu le ras-le-bol, ce qui est normal, c'est qu'en fait, on mélange beaucoup, jusqu'au XIXe siècle, l'empoisonneur, on peut le percevoir comme un sorcier. Donc, la sorcellerie, l'empoisonnement, c'est pas quelque chose qui est très bien défini en fait, dans l'imaginaire colonial, dans la perception qu'ont les propriétaires. Donc, c'est pour ça qu'en fait, dans le Code noir, on n'a pas une référence à ça, tout simplement. Alors, concernant le ratio, si j'ai bien compris, des esclaves, donc hommes et femmes, alors, en général, quand il y a une affaire d'empoisonnement, je dirais que le propriétaire, il fait sa propre enquête. Et malheureusement, quand on observe un petit peu les procès-verbaux ou bien ce que rapportent certains propriétaires, on s'aperçoit qu'en fait, ils ont déjà des idées préconçues. Et en général, c'est plutôt vers des hommes. Alors, n'oublions pas une chose, la population féminine, servile, elle est très importante pour le propriétaire. C'est-à-dire que normalement, pour le propriétaire, c'est un gage d'avoir des esclaves supplémentaires. Parce qu'ils sont, elles peuvent tomber enceintes. Donc, potentiellement, il y a un renouvellement de la main-d'œuvre. Ça, c'est très important, et évidemment, de le mettre dans le coin de la tête. C'est-à-dire que quand vous avez des affaires d'empoisonnement, en général, on va d'abord chercher chez les hommes. Et puis, nous sommes dans une société où on part du principe que les femmes ne seraient pas… qu'elles sont rabaissées, encore plus la femme esclave. Donc, on va toujours se détourner. Il y a une concurrence entre l'homme noir et l'homme blanc, finalement, sur la propriété. Parce que, justement, il y a peu de femmes. D'ailleurs, on le voit, des fois, vous avez des affaires d'empoisonnement où… Vous allez avoir des esclaves qui vont se venger contre une femme esclave. Enfin, c'est ce qu'ils disent, hein, parce qu'il a eu une relation soit avec le maître ou soit avec le commandeur. Donc, c'est pour ça qu'en général, selon les affaires et comment c'est mené, les hommes sont plutôt une cible naturelle dans l'imaginaire. Mais on voit bien qu'à la fin de la période esclavagiste, on a quand même de plus en plus de femmes qui apparaissent dans ces affaires-là, qui ne sont pas forcément d'ailleurs condamnées à mort. Hein. En fait, elles ont… certaines disent, bon voilà, moi j'ai juste aidé en fait à faire passer le produit, donc, mais on les compte quand même comme empoisonneuses. Donc c'est tout un jeu de bascule parce qu'on est dans une société qui est quand même machiste, hein, il faut quand même bien le reconnaître, et que la femme esclave est quand même dans une position très délicate. Merci. Nous allons donc contacter la régie. Jean-Pierre, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait intervenir? Jean-Pierre? Bonjour, bonjour à toutes et tous. Oui, donc déjà il y a déjà plusieurs personnes qui remercient l'exposé qu'a fait Monsieur Trani. Et ce que je vous propose de faire, c'est déjà de donner la parole à Monsieur Frédéric Réjean, qui est président de l'APES, si ça ne vous dérange pas. Non, non, donc, avec plaisir. Frédéric Réjean, je vous laisse la parole. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour à tous. Ouais, d'accord, on ne me voit pas, mais c'est dans un… bonjour à tous, merci. Hein. Je suis désolé d'avoir pris en cours, mais enfin, j'ai des circonstances. On vous entend moins bien, hein, Frédéric. On peut se retrouver aux quatre coins de la planète et discuter ensemble. Alors, je voulais juste dire une chose, donc peut-être parce que comme j'ai pris la conférence en cours, peut-être que Lionel l'a dit, alors déjà le remercier, remercier aussi cette coopération entre le CM98 et l'APES qui nous permet aujourd'hui de faire cette activité. Alors, il y a une articulation finalement entre empoisonneurs et sorciers. C'est-à-dire que voilà, on accuse d'empoisonnement et de sorcellerie des esclaves à chaque fois qu'il y a un phénomène qui n'est pas expliqué, par exemple comme les épizooties, c'est-à-dire ces épidémies qui s'abattent sur les troupeaux, et puis les épidémies qui s'abattent aussi sur les êtres humains. Alors, je voulais juste ajouter une chose, c'est que effectivement, il y a une… C'est là où on voit, à travers ces procédures, la peur que les esclaves
inspirent à leur maître. Moi, c'est vraiment la réflexion que j'avais. Les maîtres vivent dans l'intranquillité permanente, dans la crainte de l'empoisonnement. Moi, j'avais étudié dans mon ouvrage « Libre et sans faire » le procès de Lucille contre son maître. Donc, le prétexte qu'il prend pour l'enfermer, pour la mettre au cachot, c'est l'empoisonnement. D'ailleurs, il l'accuse d'avoir tué sa femme, mais il la met au cachot 6 ans après la mort de sa femme. Enfin, voilà. Donc, pour voir un peu aussi comment ce crime d'empoisonnement est instrumentalisé par les maîtres et que cela provoque une énorme peur chez eux. Alors moi j'ai une question à poser, alors peut-être que Lionel en a parlé dans son intervention, c'est comment peut-on expliquer cette vraiment très grande différence entre Guadeloupe et Martinique concernant les affaires d'empoisonnement. Bon, ça, c'est un peu mystérieux. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Président, hein, déjà. Alors, c'est juste pour taquiner un peu. Écoute, c'est une vraie interrogation également que je continue un petit peu de creuser. Alors, il y a peut-être plusieurs raisons qui pourraient rentrer en compte. Je parle bien pour la période à partir de la Révolution française jusqu'à l'abolition de l'esclavage. Le fait d'abord que la Martinique n'est pas connue l'abolition de l'esclavage. Comme tu le disais, on a les propriétaires ont continué à vivre dans une insécurité, avec cette peur de la Guadeloupe qui était révolutionnaire. D'ailleurs, Saint-Lucie est également révolutionnaire. Les Anglais la reprennent en 1796, donc 2 ans après la Martinique. Donc déjà, il y a l'idée qu'il y a une exception très importante qui est faite à la Martinique. On entend ce qui se passe, donc il y a une peur. On sait ce qui se passe à Saint-Domingue, on sait ce qui se passe en Guadeloupe, il y a des émigrés blancs qui viennent également raconter leur malheur. Donc, il y a une solidarité, je dirais, blanche pour l'époque, qui va consister à dire, attention, méfiez-vous de tous vos esclaves, même ceux qui sont bien traités, parce qu'ils peuvent se retourner contre vous. Comme il y avait déjà des affaires d'empoisonnement, eh bien, ça va continuer à renforcer cet imaginaire, comme tu disais, entre le sorcier, l'empoisonneur, le quimboiseur. D'ailleurs, bon, on a déjà quelques informations sur des pratiques africaines. Là, je vous renvoie aux travaux de Cécile Alimore, qui montrent bien qu'on est vraiment dans cette inquiétude. Le souci qui se passe, pourquoi il ne va pas y avoir justement une explosion d'affaires d'empoisonnement? Ben, c'est qu'en 1802, ben déjà, il y a la guerre de Guadeloupe. La guerre de Guadeloupe, elle est brutale. Vous avez des milliers de personnes qui sont déportées et vous avez entre 3 000 et 4 000, alors peut-être que tu vas me reprendre en disant sur les chiffres, mais 3 000, 4 000 personnes qui meurent pendant les combats guadeloupéens. Donc, c'est-à-dire que vous avez une grande partie des forces vives qui auraient été potentiellement en révolte ou en marronnage, ben, qui ne sont plus là. Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, la mise en place du tribunal spécial en Guadeloupe, il est différent parce que justement, comme je le disais, en fait, le rétablissement s'est fait par une violence militaire assez brutale. Donc, il y a une sorte aussi un petit peu de fatigue et de lassitude des populations, même si, attention, il va y avoir des formes de résistance. Hein, il y a des communautés marronnes qu'on aperçoit, par exemple, en Guadeloupe, qu'on ne voit pas en Martinique sur la même période. En Martinique, c'est différent. En Martinique, par exemple, dès qu'il y a une menace, on va trouver une solution. En 1802, il y a 2200 soldats des colonies françaises de couleur. On va les déporter tout de suite, parce qu'on ne veut surtout pas que ça donne des idées aux populations serviles. Et quand on arrive, quand l'administration française elle revient en 1802, elle va jouer sur le côté, attention, ce qui est à l'extérieur de la Martinique, c'est dangereux. Notamment l'expérience donc, de la Guadeloupe, parce qu'en fait, les Martiniquais ont très peur qu'en Guadeloupe, finalement, d'Algrès reprennent le contrôle. Bon, rapidement, c'est fini, donc tout va bien, mais ils ont quand même cette crainte-là. Par contre, sur Saint-Domingue, là, c'est la grande surprise. Donc, on est vraiment dans une omerta. Et quand il arrive ces affaires-là, il y a un élément qui rentre en compte. En 1803, la guerre, elle reprend contre l'Angleterre. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de 1803, l'île de la Martinique, elle est constamment dans des problèmes de ravitaillement alimentaire. Donc, sur les plantations, c'était déjà assez violent, on rajoute une couche supplémentaire.
on n'a plus assez de nourriture, on a des esclaves qui se suicident directement dans les cuves parce qu'ils meurent de faim. Et il y a des esclaves qui tombent malades. Comme tu disais, il y a de bétail également qui tombe malade. Vous avez aussi des cyclones. Et donc, vous avez des morts suspectes qui vont tout de suite revenir dans Boomerang chez le propriétaire en disant c'est des affaires d'empoisonnement, il y a des associations d'empoisonnement. D'ailleurs, c'est pendant cette période-là où on parle qu'il y a une organisation d'empoisonneurs, c'est-à-dire une structure qui vise à détruire. Sauf qu'on n'a en fait jamais retrouvé pour l'instant le nom de cette organisation, qui serait à la tête, est-ce que c'est une organisation pyramidale. En fait, c'est juste une idée comme ça qui est lancée par un administrateur et en fait qui en fait est influencée par le propos des colons. Et puis, tu le disais aussi, hein, cette insécurité quotidienne des colons, moi, j'ai l'impression aussi que des fois, c'est facile pour le colon de se débarrasser d'un esclave en disant c'est un empoisonneur. Parce que comme il surjoue sur cette peur-là, il peut faire intervenir le tribunal spécial qui est créé dès 1803. Et donc, ça lui permet aussi peut-être de se débarrasser d'éléments qui jugeaient peut-être pas rentables ou dangereux, etc. Mais c'est vrai que ça peut expliquer, je pense que c'est l'une des hypothèses. Maintenant, il faudrait peut-être continuer à dépouiller certaines sources qui n'auraient pas été encore faites pour essayer de comprendre cette différence. Et puis, je pense que aussi, les colons martiniquais ont vraiment surjoué sur ce poison, hein. D'ailleurs, ils ont fait une particularité, parce qu'ils disent que c'est tous les propriétaires qui sont touchés par les affaires d'empoisonnement. Donc, c'est plus de 3000 plantations. Sauf qu'on n'a jamais vu 3000 affaires. Enfin, vous voyez, c'est. Donc, je pense qu'aussi, la croyance a été partagée par l'ensemble des planteurs de Martinique. Merci Lionel. On va passer en régie pour laisser parler aussi quelques participants qui continuent à poser des questions écrites, mais il y a aussi des gens qui veulent prendre la parole. D'accord. Jean-Pierre. Oui. J'invite Vartin. Il y a Vartin qui demande la parole. S'il veut bien. Pensez à ouvrir votre micro. S'il veut bien l'ouvrir. Ça y est, il est en ligne. Vartin, est-ce que vous pouvez reprendre votre question, s'il vous plaît? Oui, bonjour. 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 Et j'ai écouté tout ce que vous avez. Tout ce que vous avez dit, je m'aperçois qu'il n'y a pas grand-chose de changé, quel que soit le continent, en fait. Les Noirs étaient maltraités, harcelés, et ça continue encore. Et est-ce que vous avez une question? Ben, la question, c'est quand est-ce qu'on aura la paix? C'est ça la question. Est-ce qu'un jour on verra tout, je sais pas comment vraiment exposer le problème. Est-ce qu'un jour on sortira de ça? Alors, pour juste répondre de manière, je dirais, un peu positive, on est déjà sorti de l'empoisonnement dans la situation d'esclavagisme, parce que normalement, d'après la loi, il n'y a plus d'esclaves officiellement. Après, comme je le disais, c'est un sujet qui est complexe en fait. Hein. Les affaires d'empoisonnement, c'est une histoire en fait qu'on entend rapidement avec nos préjugés qu'on peut avoir sur justement les sorciers, les empoisonneurs. Là, le fait aussi de se pencher avec ces recherches qui sont, comme je vous l'ai dit, toujours en évolution. Là, comme je vous l'ai dit, tout ce que je vous ai présenté, elle s'appuie sur des sources, mais le problème, c'est qu'on n'a qu'un point de vue de source. Il nous manque toujours l'autre partie pour pouvoir justement entrecroiser. Je pense que plus on aura de communication et d'échanges et de conférences sur des sujets qui ne sont pas faciles, et plus ça permettra justement aux sociétés, aux concitoyens d'outre-mer, mais aussi de métropole, de mieux saisir des fois quelques éléments qui restent encore de cette période-là. Hein. Ce qu'on appelle ces legs de ces histoires coloniales, je crois que ça, c'est très, très important de commencer à faire ce travail-là, qui n'est pas simple. Parce qu'on sent bien dans votre intervention qu'il y a toutes ces interrogations, quand est-ce que ça se termine. Mais c'est vrai qu'on est vraiment dans ce moment-là où on essaye d'ouvrir un petit peu cette thématique-là pour sensibiliser, pour faire comprendre. Hein. Merci à Vartin. Jean-Pierre, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui voudrait prendre la parole?
Alors, ce n'est pas Jean-Pierre, c'est Josely qui va peut-être permettre de donner la parole à des personnes, parce qu'on a quand même pas mal de personnes qui souhaitent poser une question. Donc là, la prochaine personne qui a demandé la parole, c'est Bellance, donc à qui on va permettre de parler. Donc D'accord. Bellance, vous pouvez ouvrir votre micro et intervenir, poser votre question, s'il vous plaît. Merci d'ouvrir le micro. Alors, Bélance n'a pas l'air d'être prête. Brièvement, Lionel, il y a encore des questions. Alors, je peux déjà dire, il y a beaucoup de questions autour de la véracité, en fait, de la preuve de l'empoisonnement. Il y a quelques remarques sur le fait que les Européens n'étaient peut-être pas au fait de la pharmacopée dans les îles. Il y a aussi comment pouvait-on prouver qu'il s'agissait d'empoisonnement? Est-ce que vous pouvez répondre succinctement en attendant que Bélance remette son micro et pose sa question? D'accord, merci. Alors, c'est toute la difficulté. C'est comme je vous le disais, en fait, le problème, c'est que les autopsies qui sont menées par les chirurgiens médecins, il n'y a pas beaucoup d'éléments, de détails. En fait, on est un peu aussi dans l'expérimentation. C'est-à-dire qu'on va découvrir, quand on ouvre le corps d'un bétail qui est décédé ou de plusieurs, les médecins vont rédiger, eux, des conclusions, je dirais, plutôt scientifiques. Mais comme à l'époque, la réception du pouvoir colonial et notamment du lobby des Blancs font qu'il y a une omerta autour de ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à un moment donné, sur telle plantation, en fait, c'est plutôt la choléra qui aurait peut-être décimé les personnes. C'est-à-dire ces maladies qui existent toujours d'ailleurs actuellement. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, sur l'affaire de Basse-Pointe, par exemple en Martinique en 1807, c'est tout de suite emparé par une grande affaire d'empoisonnement parce qu'en fait, il y a une affaire où il y a un économe qui est d'abord assassiné. Alors, ce n'est pas par poison, cette fois-ci, il est vraiment assassiné. Et très rapidement, on a le pouvoir qui essaye de catalyser un petit peu toutes les rumeurs autour de cette affaire pour éviter qu'il y ait une peur, tout simplement, sur les grandes plantations du Nord. Et donc, on a tout de suite des esclaves qui sont arrêtés, où on va les interroger. Et certains, alors il faut bien imaginer, les interrogatoires de l'époque, ce sont des interrogatoires qui ne s'inscrivent pas dans le cadre des droits de l'homme, hein. On n'a pas d'ailleurs de détails sur ces interrogatoires. On ne sait pas de quelle manière ils sont faits, mais j'ose imaginer qu'ils sont quand même faits de manière humiliante, violente, avec une pression sociale. Ça, c'est un partout, hein, parce que, en fait, il y a des fois des esclaves qui vont dire « je suis empoisonneur », en disant « bon, maintenant je dis ça, je vais arrêter d'être torturé », ou peut-être ils vont donner le nom de quelqu'un qui n'est pas forcément empoisonneur. Donc, c'est ça qui est très compliqué pour nous. Par exemple, une affaire qui est très célèbre, parce que j'ai vu qu'il y avait quelques questions, j'ai vu un peu le chat, il y a une question sur des affaires célèbres d'empoisonnement, c'est l'affaire de la tentative d'empoisonnement sur la mère de Joséphine. Ça fait un grand retentissement dans la colonie, parce qu'en fait, la tentative d'empoisonnement, elle se passe dans la maison du gouverneur à Fort-de-France. Donc ça pose toute la question de la sécurité à l'intérieur même d'un bâtiment officiel et de la mère de l'impératrice. Donc très rapidement, certains vont dire c'est un attentat, et d'autres vont dire non, c'est un empoisonnement. Donc lorsqu'il va y avoir le procès-verbal et donc l'enquête, on va avoir Émilie, donc, qui est en fait son esclave domestique et qui aurait été par jalousie, alors c'est ce qui est expliqué dans le procès, hein. Elle aurait fait ça par jalousie. Sa maîtresse ne l'aurait pas bien traitée, une forme de jalousie, donc elle a essayé de l'empoisonner avec du verpillé. Et la mère de l'impératrice s'en est rendue compte. Donc là, il y aurait la preuve que c'est bien donc du verpillé parce que ça a été tout de suite saisi par le cuisinier. Donc là, c'est l'une des enquêtes où, selon les sources d'époque, on a une preuve matérielle. Donc preuve matérielle qui est reconnue en plus par la personne accusée, qui va être elle-même condamnée en juin 1808 au bûcher. Mais en fait, la plupart des autres activités, ça va être la recherche de l'arsenic ou la recherche du mentholinier. Ou parfois, on va fouiller la plantation d'à côté et en fait, on ne va rien retrouver. Donc c'est vrai que c'est vraiment, si vous voulez, ces affaires-là, elles sont très complexes parce qu'elles nous font rentrer finalement dans l'intimité de ces plantations. Parce qu'en fait, des fois, vous allez avoir sur les procès-verbaux des esclaves qui vont donner des informations de relations qui sont tendues entre esclaves, ou alors entre l'esclave et le maître. En fait, on va se rendre compte que, par exemple, le maître avait promis, par exemple, le samedi à tel esclave et il l'a refusé. Donc, il y a une forme de crispation. Et donc, c'est pour ça que tout à l'heure, l'intervention de Frédéric est intéressante. Les maîtres vivent à la fois dans cette peur quotidienne,
Et en même temps, quand ils veulent se débarrasser de personnes un peu embarrassantes, s'il y a une mort suspecte ou un mouvement suspect, quelqu'un qui tombe malade, hein, parce que des fois, il y a des gens qui tombent malades qui ne meurent pas. On dit c'est l'empoisonnement. Mal estomac, empoison, poison. C'est une manière aussi pour eux de dire, bon, je vais vite faire appel, ou soit je fais moi-même justice, comme ça l'État ne va pas commencer à fouiller sur la plantation de la manière dont je gère mes esclaves. Donc c'est assez particulier. Les colons sont vraiment dans un discours paradoxal, hein, sur cette période. Alors je parle des colons de la Martinique parce que j'ai vraiment beaucoup travaillé sur cette rhétorique-là, et puis c'est la particularité historique, c'est vraiment une colonie qui, jusque même à une année avant l'abolition de l'esclavage, reste persuadé qu'il faut maintenir une société esclavagiste violente, parce qu'il y a la peur, ils sont trop nombreux les esclaves. Et d'ailleurs, on le voit un peu dans l'extrait du film, ils reprennent un peu cette idée-là, c'est que le nègre, c'est quelqu'un de mauvais, en fait. Donc, il faut être violent, et on est vraiment dans cette construction-là. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que je pense que le préjugé va rester dans la société contemporaine martiniquaise. Oui, merci. Est-ce qu'il y a encore une question en régie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait intervenir directement? Alors oui, on a Gisialec qui souhaite intervenir. Alors Gisialec, je vais vous donner la parole. Je vais vous permettre d'ouvrir votre micro. Gisialec. Donc, bon, ben, écoutez, on va prendre peut-être une question dans le chat. J'y vais ou vous y allez en régie? Alors, là, j'avais noté une question, Monsieur Trani. Il y a plusieurs personnes qui demandaient la différence qu'on peut faire entre gens de couleur libres et libres de couleur. Est-ce qu'on faisait référence à la même chose? Et encore, la proportion d'empoisonneurs entre les nègres de maison, donc c'est l'appellation qu'on a couramment, et les nègres des champs. Merci de répondre brièvement parce qu'on a encore beaucoup de questions. Très bien. Alors, pour les gens de couleur et libres de couleur, ou mulâtres libres, c'est la même chose en fait. C'est une autre appellation. En fait, à chaque fois, le fait qu'on dit gens libres ou libres de couleur, c'est encore une manière de dire ils sont libres, mais ils sont différents. Dans l'appellation, c'est pour les différencier, par exemple, des blancs. Donc, c'est un genre de synonyme, si vous voulez, de vocabulaire historique. Concernant la proportion, bien sûr, il y a des affaires où les personnels domestiques semblent avoir joué un rôle important dans l'usage d'un poison, notamment dans des tisanes. On parle beaucoup de ces tisanes où on va glisser des produits pour endormir la maîtresse ou la tuer. Par exemple, l'affaire de Saint-Esprit en 1802, où il y a une maîtresse qui décède par une affaire d'empoisonnement, c'est une domestique. Une domestique, d'ailleurs, qui serait la préférée. Alors, ça, c'est intéressant parce que le fait de dire ça, ça renforce encore plus le fait, attention, il ne faut pas faire confiance. On est vraiment dans un adage de division. On ne doit pas faire confiance aux esclaves. Et derrière, on est dans l'époque où c'est en plus le préjugé racialiste. C'est-à-dire que là, en fait, on commence à justifier le fait que tous les esclaves sont comme ça. Donc, tous les hommes de couleur sont comme ça, tous les nègres sont comme ça. Ce sont des gens méchants, en fait. Ils vont vous faire croire qu'ils sont humains, et en réalité, même quand vous les traitez bien, ils ont la pire humanité. Donc, les esclaves domestiques, en effet, ont, je dirais, pour l'affaire de la mère de l'impératrice, c'est une domestique également. Donc, c'est des personnes qui sont proches, en fait, du maître, hein, ou de la famille du maître. Les esclaves des champs, il y en a également. Par exemple, à Basse-Pointe, les esclaves qui sont jugés ou qui sont condamnés, ce sont des esclaves où on ne donne pas de détails particuliers. Donc, justement, ce sont des esclaves des champs, mais qui sont en contact. Hein, dans les grandes plantations de Basse-Pointe, par exemple, il y a beaucoup de circulation le soir, hein, entre plantations. Donc, parce que quand il y a l'affaire de Basse-Pointe, en fait, on va saisir tous les ateliers, toutes les plantations. Emma, par exemple, Pécoule, les rites d'ailleurs qui existent toujours, hein, vous prenez la départementale vers Basse-Pointe, vous passez près de ces plantations qui sont là en fait depuis longtemps et qui ont été à l'époque très touchées par ces affaires. Donc là, la plupart sont des esclaves, à mon avis, de champ, parce qu'il n'y a pas de spécificité. Parce que normalement, un esclave, on va lui donner, quand il a une spécialité, on va le rappeler dans le procès verbal. Merci, Monsieur Trani. Alors, pour les personnes qui n'ont pas réussi visiblement à remettre leur micro, je rappelle que vous cliquez donc en bas de l'écran
Vous pouvez cliquer sur converser pour écrire directement dans le chat ou bien encore lever la main. Donc, vous levez la main et là, on va vous repérer pour prendre la parole et on va activer le micro, mais vous pouvez le faire aussi. En régie, est-ce que quelqu'un donc voudrait prendre la parole? Oui, alors la prochaine personne qui souhaite prendre la parole, c'est Philippe de Maillère. Donc, Philippe de Maillère, je vous donne la parole. Je vous permets d'ouvrir votre micro et on vous écoute. Bonjour. Philippe de Maillère, oui, c'est à vous. Oui, oui. Ah, il y a l'écho derrière. Est-ce que vous m'entendez mieux? Je vous entends, mais il y a trop d'écho. Je ne sais pas ce que je dois faire. Alors, est-ce que vous avez ouvert Facebook par hasard en même temps? C'est possible. Alors, il faut couper le son du Facebook, s'il vous plaît, et comme ça, vous pourrez parler directement sur le webinaire. Allô? Oui, allô? Il y a toutefois de l'écho. Il doit y avoir peut-être une autre personne avec vous qui regarde, qui suit en effet aussi? Peut-être, je ne sais pas. Visiblement, il a raccroché. Le temps que les personnes arrivent à se brancher, on peut peut-être aller sur d'autres questions qui sont en régie. Il y en a beaucoup. Hein, oui, oui. Il y en a une qui peut être importante pour éclairer le débat. Et ça me permet aussi de dire à ceux qui veulent parler d'y aller. C'est est-ce qu'on peut juger ces questions d'empoisonnement comme étant des actes de résistance des esclaves? Et comment est-ce qu'on peut quantifier ça en tant que tel? Parce qu'on dit souvent que les esclaves n'ont pas résisté, etc. Voilà. C'est de ce point de vue-là aussi que la question peut se poser. Ouais, merci pour cette question. Elle est centrale parce que justement, ça pose un véritable problème qu'on travaille beaucoup sur ces histoires d'empoisonnement. Pour Macandal, le poison fait partie d'un projet contre la société esclavagiste. Parce que lui-même est marron. D'ailleurs, on voit bien que la manière dont on va le tuer, la manière d'ailleurs comment se passe la cérémonie de mise à mort, va le faire rentrer dans la légende. Il y a en effet des affaires d'empoisonnement où c'est plutôt des relations interpersonnelles. Et puis, vous avez des affaires d'empoisonnement où là, il y a un projet, en effet, c'est de se débarrasser déjà du propriétaire ou de l'économe, donc le représentant du propriétaire, dans l'idée de renverser le pouvoir des Blancs. D'ailleurs, il y a certaines révoltes où on va tout de suite essayer de savoir s'il y a des liens avec des affaires d'empoisonnement. Donc, forcément, ce sont des actes de résistance parce que dans tous les cas, l'esclave, qu'elle soit homme ou femme, va, quand il accomplit un acte à l'encontre de son propriétaire, est tout de suite en résistance. Parce que je rappelle que dans le code noir, l'esclave est un bien meuble. Donc, ça veut dire qu'il a une condition qui est figée dans le temps. Donc, tous les événements qu'il va réaliser est forcément vu comme une résistance. Alors après, il faut, attention, nuancer. Est-ce que la personne qui va être dans cette pratique-là, est-ce qu'elle est dans une recherche d'une liberté absolue ou totale? Ça, c'est la grande interrogation. Et c'est pour ça, comme je vous disais, nous, le problème qu'on a, c'est qu'on a seulement une partie de la source, qui est le regard par les coloniaux, mais on n'a pas le ressenti des personnes. Parce que même pendant le procès verbal, les questions, en fait, c'est vraiment des questions qui sont très fermées. Hein. C'est de « dites-nous qu'est-ce que vous faites dans la plantation, pourquoi vous avez fait ça, qui vous avez rencontré, qui vous a remis le poison. » Donc, on ne laisse pas l'esclave, on ne fait pas une présentation de la vie de l'esclave. Donc, c'est vrai que souvent, on est quand même contraint un petit peu de se limiter dans comment l'esclave ressent ça. Mais ça, c'est perçu aussi, bien sûr, comme un acte de résistance. C'est pour ça que d'ailleurs, dans le tribunal spécial, quand je vous ai lu un petit peu toutes les autres affaires qui peuvent être jugées, on voit bien que c'est toujours en lien avec le désordre colonial, le désordre public. Donc, dès qu'on est en désordre public, c'est de la résistance. Alors, c'est perçu comme ça déjà pour le pouvoir colonial. Maintenant, comme je l'ai dit, des fois, il y a des affaires où, en fait, c'est plutôt des problèmes relationnels. Notamment quand il y a des esclaves qui s'empoisonnent entre eux. Là, on a du mal à saisir si c'est une résistance contre le colonial. Ben, en fait, non, c'est plutôt sans doute des problèmes. Parce que sur une plantation,
Il y a une violence psychologique entre esclaves. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a pas de... Enfin, ça aurait été très simple, en fait. Si tous les esclaves étaient solidaires, ils auraient renversé le pouvoir dès les 10 premières années, puis c'était terminé, il n'y avait plus de colonies. C'est ça qui est difficile, en fait. C'est qu'on a tellement mis en place un système à la fois de concurrence et aussi de mépris que sur une plantation, en fait, ce n'est pas harmonieux. Et c'est pour ça qu'il y a une insécurité tout le temps. Merci. On me fait savoir que J.C. Alec aurait pu ouvrir son micro. Vous nous entendez? J.C. Alec? Bon. En régie, est-ce que vous avez une autre question ou quelqu'un d'autre qui voudrait intervenir? Alors oui, il y a Marc Gallio qui souhaite pas intervenir, donc je lui ouvre son micro. Ah, je ne l'ai plus. Non. Monsieur Marc Gallio. Bon, sinon, on va demander l'intervention peut-être de Pierrick. Attends. Marc Gallio, ça y est. Vous nous entendez? Oui, je vous entends. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend très bien. Bonjour. Alors, j'ai posé la question par écrit, mais du coup, je vous la pose directement. J'ai entendu que le code noir n'était pas encore aboli à notre époque. Voilà, c'est quelque chose, c'est une information qui circule. Et je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux ou si c'était fait officiellement ou si il est tombé en désuétude, mais disons qu'il n'a pas été totalement annulé. Voilà, merci. Alors, je vais répondre tout simplement. Le fait qu'il y ait l'abolition de l'esclavage, donc ça veut dire en 1848, quand vous avez le décret et qui est appliqué après dans les différentes colonies, normalement, le code noir est caduc au niveau juridique parce qu'il n'y a plus de système esclavagiste. Donc, normalement, c'est un texte qui a une nullité juridique. Je parle au niveau du point de vue français. Maintenant, est-ce que dans la pratique, notamment dans le système des engagés, alors que tout le monde est libre, est-ce qu'on est dans une pratique de plantation esclavagiste? Là, on peut évidemment dire qu'il y a une pratique qui est de l'ordre. Mais sur le côté juridique, non. Le code noir disparaît de la pratique juridique des colonies en 1848 parce que le fait que vous disiez maintenant tout individu est libre, bah, ça casse directement tous les articles qui préconisent que l'esclave est un bien meuble. Là, je parle vraiment au niveau théorique, hein, en termes du juridique, hein, de la juridiction. Et en 1946, dès que les départements français, les anciennes vieilles colonies deviennent, pour la deuxième fois de leur histoire, des départements français, s'appliquent les lois métropolitaines. Donc, normalement, tout ce qui fait partie des héritages des legs coloniaux ne sont plus censés s'appliquer. Maintenant, il y a une différence entre la loi et la pratique économique, sociale, juridique, plutôt sociale et économique, qui va persister, notamment dans le système des engagés, où on va voir justement des grandes révoltes et des insurrections d'ouvriers en 1870. Mais au niveau juridique, normalement, il n'y a plus de code noir. Merci pour la précision. En régie, est-ce que quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole? Alors, j'ai Frédéric Réjean qui souhaite compléter le propos de Lionel ou peut-être répondre à une question précédente. Il a demandé la parole, donc on va lui permettre de s'exprimer. Frédéric, votre micro est ouvert, vous pouvez vous exprimer. D'accord, merci. Oui, c'était juste pour confirmer ce que disait Lionel. Donc, il n'y a pas eu de loi pour abolir. Alors déjà, c'est impropre de dire le code noir, parce que le code noir, c'est un recueil de lois. C'est comme le code de la route, qui rassemble toutes les lois concernant la circulation routière. Donc, le code noir, c'est un recueil de lois. Et l'abolition de l'esclavage, effectivement, le décret d'abolition entraîne de fait l'abolition de toute législation esclavagiste. On ne fait pas, lorsqu'on est passé de la monarchie à la République, on n'a pas fait une loi d'abolition sur chacune des lois qui existaient auparavant. Ces lois se sont abolies de fait. Donc, bon, ça, c'est un peu un faux débat, cette question de l'abolition du code noir. Enfin, il est aboli de fait. Hein. Alors ensuite, la deuxième chose,
c'est sur la question des résistances. Et là, je pense que Lionel a très bien cerné le problème. C'est que effectivement, lorsque vous avez deux esclaves qui s'empoisonnent entre eux ou qui s'entretuent, ça peut pas être présenté comme un acte de résistance. Et puis après, voilà, pour moi, un acte de résistance, c'est vraiment un acte qui est un acte conscient. Et je préfère plutôt parler d'opposition que de résistance, parce qu'on a toujours l'impression que l'on parle de, voilà, comme si, comme dans la Seconde Guerre mondiale, voilà, et comme s'il y avait une organisation de résistance structurée, hiérarchisée, pensée, avec un corpus idéologique. Je voulais juste rappeler que lorsque se développe la grande insurrection des esclaves de Saint-Domingue, en août 1791, la première fois qu'il s'adresse au gouverneur de Saint-Domingue, en novembre 1791, il n'imagine pas l'abolition de l'esclavage. Il demande l'amnistie pour les révoltés, l'affranchissement pour 400 chefs, et puis un meilleur traitement sur les plantations. Donc, voilà, faut toujours faire très attention avec ce terme de résistance. Moi, je préfère le terme d'opposition, et on peut pas tout mettre dans ce qu'on appelle la résistance. Je vais citer un exemple. Une fois, j'avais trouvé l'exemple d'une femme qui avait tué son enfant qui venait de naître, et effectivement, dans la rhétorique habituelle sur ce concept de résistance, on dit voilà, les infanticides, les avortements sont des formes de résistance parce que l'enfant esclave est privé, enfin le maître est privé de ce futur esclave par le meurtre de l'enfant. Et en réalité, elle avait tué l'enfant parce que l'enfant était noir alors qu'elle était la concubine du maître et qu'elle aurait dû avoir un enfant métissé. Donc voilà, il faut vraiment être très prudent vis-à-vis des concepts que l'on utilise. Voilà. Merci Frédéric. En régie, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait prendre la parole? Alors oui, en fait, nous avons la question de Jocelyne Sialek, en fait, qui n'arrive pas donc à activer son micro. Donc, elle nous l'a posée sur le chat. Et donc, je la lis. Hein, donc, elle est de Jocelyne Sialek. Voilà. Donc, quelles sont les conséquences de ces accusations d'empoisonnement, souvent non fondées, sur l'état d'esprit de la solidarité, pardon, entre les différentes classes d'esclaves dans les plantations en Martinique? Bah écoutez, c'est une question qui est pertinente parce qu'en fait, quand on travaille sur des affaires, quand il y a un désordre sur une plantation, en fait, on rentre dans l'intimité de la plantation. Et donc, on rentre forcément dans les relations, comme je disais, interpersonnelles. Donc, il faut bien imaginer que lorsque vous avez une affaire d'empoisonnement qui va se terminer devant les tribunaux, où vous avez peut-être quelques esclaves de la plantation qui vont être condamnés à mort, sur lequel, d'ailleurs, on n'est pas sûr qu'ils ont commis en fait un crime d'empoisonnement. Derrière, les relations sont compliquées. Elles sont très compliquées. Déjà, en temps normal, sur une plantation, ce sont des relations qui sont quand même tendues selon le rythme des journées, selon le rythme des semaines, des saisons. Donc, vous avez déjà des tensions. Donc, quand vous avez, je dirais, une affaire qui va attirer l'attention à la fois des propriétaires de la commune, parce qu'il faut bien imaginer qu'il y a une solidarité qui est assez importante dans les plantations qui sont touchées par les empoisonnements. Là, pour le coup, il y a, on peut le dire, une sorte de front commun. Les esclaves sont encore plus soumis. On va des fois faire les interrogations de tous les ateliers, avec même des esclaves qui n'ont rien à faire, avec des interrogatoires qui vont être difficiles. Donc, comme je vous le disais, il y a des esclaves, des fois, qui vont avouer des choses qu'ils n'ont pas fait ou qu'ils n'ont pas vues. Donc, ça crée encore plus de divisions sur ces plantations. Je dirais qu'on a plus de solidarité quand des fois vous avez des plantations qui sont touchées par du marronnage, que ce soit individuel ou un peu collectif, ou parce qu'on connaît, ben en fait, c'est quelqu'un de la famille qui vient d'une autre plantation, on va l'aider. Mais quand il y a une affaire d'empoisonnement, en fait, n'oubliez pas, les esclaves également ont peur de ça. Ils ont peur d'être empoisonnés.
Parce qu'en fait, ils épongent également la peur du propriétaire. Ils subissent la colère du propriétaire, la violence et les peurs. Alors, dans l'extrait, on voit un propriétaire qui reste calme, mais il faut bien imaginer que quand vous avez des interrogatoires qui sont faits eux-mêmes par le propriétaire, notamment quand on ne veut pas attendre le tribunal spécial, des fois, vous avez des esclaves qui sont, comme je l'ai dit, il y a un exemple sur une commune du Lamantin, alors on ne donne pas le nom de l'habitation, où le propriétaire, après avoir eu connaissance que c'était tel esclave qui avait tenté l'empoisonnement, il le tue tout de suite. Donc, il y a vraiment une situation, c'est très compliqué. On est vraiment dans une situation très compliquée. Merci. Donc, il y a des divisions. Merci pour cette réponse. J'ai encore une question. Est-ce que vous pouvez faire une réponse courte parce qu'on oui, bah, bien sûr. Quelques-unes et nous allons finir dans à peu près 10 minutes. D'accord. Donc, la question qui est posée, c'est est-ce qu'on a réussi à retrouver des sources d'esclaves qui donnent, eux, leur point de vue sur l'empoisonnement? Et deuxièmement, est-ce que vous avez des exemples donc, d'empoisonnement étudiés dans d'autres colonies? Ça serait le rêve d'un spécialiste sur les sociétés esclavagistes. C'est de tomber sur un document exceptionnel d'esclaves qui nous expliquent leur regard, leur point de vue sur ça. Et ça, malheureusement, j'ai l'impression que ça va être difficile d'en trouver. Mais on peut toujours espérer. Les autres exemples, justement, la Trinité espagnole, la Trinidad, vous avez des affaires d'empoisonnement avec des anciens propriétaires qui sont venus s'installer à la Trinidad. Et les esclaves, justement, sont francophones. Et vont pratiquer, il y a une affaire d'empoisonnement en 1806, si je ne me trompe pas, où très rapidement, le propriétaire va faire la pratique comme en Martinique, c'est-à-dire va demander au gouverneur de faire appliquer une loi exceptionnelle, ce qu'il va refuser parce qu'en fait, ce n'est pas dans la coutume. Donc, il y a des affaires d'empoisonnement, mais en effet, ça serait intéressant de savoir si dans les colonies anglophones, on a également une telle présence d'affaires d'empoisonnement. Est-ce que c'est aussi fort? Est-ce que le pouvoir réagit aussi de manière très, très forte? Parce que là, pour le coup, on a une justice qui est quand même permanente à certaines périodes, c'est qu'en fait, il y a quand même une crainte régulière. Donc, il y a quelques événements qui se déroulent, en effet, dans d'autres colonies, qui sont en fait des colonies en lien avec les colonies francophones. Merci. En régie, est-ce que quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole? Oui, la prochaine personne, c'est Claude qui souhaite prendre la parole. Nous avons également une autre personne, mais je ne sais pas si on aura le temps, donc peut-être une question, une réponse pas trop longue. Donc, je donne la parole à Claude qui doit activer son micro. Alors, je rappelle que pour activer le micro, c'est sur votre écran en bas à gauche. Donc, il y a une petite flèche que vous ouvrez et vous activez votre micro. Oui, ça y est. D'ailleurs, on vous entend. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, c'est Claude. Hein? Bonjour, Claude. Oui, ça va. Ma question est assez rapide et simple. C'est-à-dire que ça s'est vu dans d'autres cas de civilisation. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que dans ce climat de méfiance hein, et au point de vue des maîtres par rapport à l'empoisonnement, aux empoisonnements, est-ce que vous avez trouvé, M. Trani, des traces que les maîtres auraient pu imposer aux serviteurs? Je parle des empoisonnements dans la demeure des maîtres, hein, au niveau des esclaves de Caste. Est-ce que les maîtres auraient pu imposer aux serviteurs de goûter les mets avant la consommation? Alors, merci pour cette question, Claude. Ça, c'est un document. Enfin, dans les sources, en fait, en général, il n'y a pas trop de descriptions sur comment se passe quand on accueille d'autres propriétaires, un banquet ou des repas. Par contre, on peut très bien imaginer, en effet, qu'on va faire goûter domestiques. Alors, n'oublions pas une chose, les affaires de sorcellerie, d'empoisonnement, c'est des choses qu'on trouve également en Europe. Hein. En Mayenne, c'est un peu le cas. Où on va être dans la méfiance, où on va demander justement au personnel de goûter. Par exemple, les propriétaires, ce qu'ils aiment bien faire sur la fin de la période esclavagiste, et ça, c'est De Sales qui nous le dit, enfin, qui nous le fait comprendre, c'est par exemple quand vous avez deux propriétaires qui se rencontrent, on va ouvrir une bouteille neuve devant la personne qu'on reçoit. C'est un gage de sécurité. Donc, ça veut dire qu'inconsciemment, il y a toujours la peur durant cette période-là que peut-être le domestique, s'il n'est pas dans un bon jour, peut-être vous empoisonner.
Hein. Donc, mais on n'a pas de source qui nous explique qu'il y a un protocole sécuritaire, sanitaire, où il faut que le maître fasse attention à tout. Non. Par contre, c'est dans, dans l'état d'esprit, évidemment, des propriétaires. Hein. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup. D'accord, merci. Merci, Claude. Une dernière question, Régie. Vous avez encore quelqu'un qui voudrait intervenir ? Une dernière personne ? Oui, il y a une question qui nous vient des réseaux sociaux, de Facebook. C'est Pulpe Cita qui demande si les femmes qui étaient mises en esclavage étaient bien celles qui usaient le plus de l'empoisonnement par rapport à leur rôle de domestique dans les maisons. C'est ça la question. D'accord. C'est ce que je disais, ce n'est pas automatique. C'est qu'on a beaucoup de femmes esclaves domestiques, mais on a aussi beaucoup de femmes esclaves qui sont des esclaves de champ, en fait. Hein. Donc, ce n'est pas automatique. C'est ça qui est assez complexe. Parce que justement, en fait, la plupart de ces affaires d'empoisonnement, il y a quand même cette peur qui traverse la réalité. Comme je l'ai dit, il y a peut-être en fait des affaires où c'était tout simplement des épidémies qui étaient transmises ou des maladies qui circulaient. Mais oui, sur les affaires qu'on a traitées en Martinique, par exemple, l'affaire de la mère de l'impératrice, par exemple, c'est une domestique. À Saint-Esprit, c'est une domestique. Oui, là, c'est deux exemples qui montrent bien que oui, les domestiques avaient un atout privilégié. D'ailleurs, il y en a une qui, quand elle empoisonne sa maîtresse, elle avait déjà préparé ses affaires pour partir en marronnage, par exemple. Vous voyez que là, il y avait vraiment une rupture, donc un acte de résistance pour le coup, mais qui était isolé. Il n'y avait pas derrière un enjeu. Mais c'est difficile de pouvoir généraliser. Maintenant, bien sûr, hein, la position d'un esclave domestique est plus confortable qu'un esclave de terre. Et donc, souvent, on n'est plus en contact avec les cuisines. Donc, s'il y avait des empoisonneuses, oui, il y aurait plus de facilité à empoisonner directement la femme du maître ou le maître en glissant quelque chose dans l'alimentation. Mais en fait, toutes les affaires n'ont jamais révélé, même l'arsenic, hein, la recherche de l'arsenic. Pour tuer un homme, il faudrait des doses très importantes d'arsenic. On n'a jamais retrouvé, il n'y a pas eu une enquête où on a mis la main sur des aliments qui auraient été imbibés d'arsenic, plus d'autres choses. C'est très déroutant pour l'historien, les affaires d'empoisonnement, parce qu'en fait, on a juste les procès-verbaux de la justice, donc il y a des choses qui sont perdues oralement parce qu'elles n'ont pas été prises par le greffier. Et puis, on n'a pas la tenue, évidemment, des enquêtes qui sont tenues à huis clos. Donc, tout ça, en fait, c'est des choses qu'on a malheureusement perdues pour essayer de comprendre les mécanismes. Mais on peut très bien imaginer que elles ont une position privilégiée. Merci. Donc, nous ne prenons plus de questions, mais nous allons terminer. Je crois qu'il en reste encore deux ou trois. En régie, est-ce que vous pouvez nous dire s'il nous reste encore des questions ? Oui, il y a encore de nombreuses questions, oui, tout à fait, oui. Alors, on en prend encore une ou deux ? Alors, notamment, justement, M. Trani, vous parliez de cela. Enfin, il y a des questions qui tournent autour de savoir qu'est-ce qui donnait, quelle était la preuve comme quoi il y avait empoisonnement ? Est-ce qu'il y avait des pratiques d'autopsie qui étaient effectuées sur les personnes empoisonnées ? Donc, voilà, c'est des questions un peu comme ça qui se posent, quoi. Oui, alors, c'est ce qui est préconisé, en fait, hein, à la fin du XVIIIe siècle. En fait, ça a commencé dès les années 1749-1750. On a commencé à dire, voilà, il faut faire une dissection des cadavres d'animaux soupçonnés d'avoir été empoisonnés. On ne le fait pas d'abord sur les humains. Mais se pose la question si on ne le fait pas sur les personnes touchées. Parce qu'en fait, en réalité, le phénomène des empoisonnements, elle a quand même beaucoup touché d'animaux. Mais parce qu'en fait, on n'a pas pris la dimension médicale, hein, des zoologies, tout ça. Donc, il y a des dissections qui sont faites sur les animaux, et c'est pour ça qu'on commence à comprendre justement qu'il y a certains aliments qui ne sont pas du tout acceptés. Mais bon, en général, les animaux ne vont pas manger dans la nature des aliments qui ne sentent pas. Hein. Ils ne vont pas s'auto-empoisonner. Par contre, l'infection des eaux, le choléra, tout ça, c'est des choses que ni l'homme ni l'animal ne décèlent au XVIIIe, voire au XIXe siècle. Donc, on peut, selon les moments, contracter en effet une mort brutale parce qu'il y a eu un dysfonctionnement. Concernant le problème des dissections sur les hommes, ça a toujours été très mal perçu par l'opinion.
c'est tout le paradoxe, c'est-à-dire qu'on va, on va brûler des gens pour empoisonnement, on va décapiter pour complot, mais ouvrir, bon, c'est une perte de temps en fait. C'est-à-dire que les propriétaires partent du principe que c'est une perte de temps, que on sait bien, c'est le poison. On n'a pas besoin de vérifier ce qu'il a dans le ventre. Pourtant, c'est les pratiques qui vont être faites à la fin du 19e siècle, parce qu'en fait, vous avez Ruffe de Lavinon, qui est un docteur qui a fait ses études à Paris, donc qui est martiniquais, qui revient sur la période, sur la fin de la période esclavagiste, et qui, lui, va être très sceptique, en fait. Il va dire, non, en fait, l'empoisonnement, c'est d'abord une croyance qui est partagée à la fois par le colon et par l'esclave, et par les libres de couleur également. Donc, il faut continuer à pratiquer pour savoir, en fait, c'est quoi les vraies raisons. Et en fait, il s'aperçoit qu'il y a, en effet, des maladies qui circulent, sur lesquelles, en fait, il y aurait peut-être des remèdes possibles, ou parce que ces maladies, elles sont développées à cause de la situation esclavagiste, hein, tout simplement. Ce sont des gens qui subissent des conditions de vie plus que déplorables. Donc, tout ça, en fait, ce sont des éléments qui sont assez importants, mais qui ne sont pas mis en avant, parce que je vous l'ai dit, c'est une manière... Les colons, en fait, ont peur que si on commence à essayer de trouver d'autres raisons, ça décrédibilise leur jugement et leur pouvoir domanial. On est vraiment sur une question toujours de pouvoir. Hein, le colon refuse, en fait, la fin de l'esclavage. Il refuse, en fait, de voir que la société esclavagiste ne peut pas fonctionner. Donc, pour lui, quand on lui parle d'hypozootisme, des épidémies qui touchent les animaux, ce n'est pas possible. C'est forcément un humain. Alors, il y a des affaires où c'est des humains, évidemment. Mais la plupart, quand même, c'est toujours en fait des éléments qui sont soit naturels, soit des maladies, des épidémies, comme d'ailleurs l'humanité a toujours connu, en fait. Je rappelle que la fièvre jaune tue très beaucoup. Elle tue beaucoup d'Européens, mais elle tue aussi des esclaves à l'époque. Mais on pointe plutôt sur le fait que c'est les Européens qui meurent, oh là là, comme ils ne sont pas beaucoup, ça menace en fait. Hein. On est vraiment dans une insécurité également numérique. Il ne faut pas oublier ça. Hein. Depuis 1720, en fait, les Blancs ils sont minoritaires en termes d'effectifs. Donc, la peur fait partie d'un argument de pouvoir. Hein. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut prendre une toute dernière question ? La régie ? Sinon... J'ai une question. Que deviennent les esclaves condamnés ? Sont-ils envoyés en France ou que deviennent-ils ? Alors, les esclaves condamnés, il y a plusieurs situations. Il y a ceux qui sont condamnés à la peine de mort, donc c'est le bûcher. Ensuite, il y a ceux qui vont être déportés vers les galères, donc c'est-à-dire qu'ils vont être déplacés de la colonie vers la métropole. Donc souvent, ils sont envoyés dans les galères en Méditerranée. Mais on a une disparition de ces sources-là. Donc, ce serait intéressant si on trouvait justement ces sources de toutes ces personnes qui venaient des Caraïbes pour des affaires de jugement, de savoir un petit peu ce qu'ils sont devenus. Voilà, est-ce qu'ils ont réussi à survivre, etc. Ensuite, il y a ceux qui vont revenir directement sur la plantation. Ils vont recevoir donc des supplices, des châtiments corporels assez importants, des coups de fouet, le carcan, ils vont être marqués fleur de lys. Ça se fait jusqu'en 1830. Et ensuite, ils retournent. N'oublions pas une chose également, c'est que les propriétaires mettent une pression importante au gouvernement en disant il faut que l'affaire se dépêche, parce que mine de rien, là, j'ai quand même 10 esclaves qui sont en jugement. J'en perds 3, vous avez raison, c'est les plus dangereux, mais les autres, il faut qu'ils reviennent travailler. Hein. N'oublions pas qu'on est dans un système économique où on cherche la rentabilité maximum. Et l'esclave est là pour faire de la rentabilité. Alors que sur ces périodes-là, en fait, le colon est en train de tout simplement s'appauvrir parce qu'il a pris des crédits et est incapable de vendre ses marchandises parce qu'il y a d'autres produits qui sont en concurrence. Donc, c'est tout le paradoxe. Mais comme je vous dis, c'est vraiment une question de pouvoir, en fait. Hein. Les colons, ils s'accrochent à ce pouvoir qu'ils ont sur les esclaves. Et donc, les condamnés, ceux qui sont juste condamnés à des châtiments corporels, il faut vite qu'ils reviennent sur les plantations. Ceux qui sont morts ou qui sont en galère, ils reçoivent une compensation financière. Merci beaucoup. Nous allons donc conclure. Merci beaucoup à tous les participants pour notre première. Je rappelle aux quelques personnes qui nous ont remerciés que ça nous fait plaisir pour leur participation et que notre prochaine conférence se tiendra donc le 14 décembre. Il s'agira d'une table ronde sur les traites humaines.
Et le reste du programme sera donc sur Facebook et sur notre site et tous nos réseaux sociaux. En conclusion, je laisse la parole à Emmanuel Gordien, notre président, et je remercie déjà tous les militants du CM98. Je remercie aussi l'APES pour cette première. À bientôt. Très bien. Ben, écoutez, le mot de la fin, mais c'est vraiment un mot de commencement, en fait. Je veux d'abord remercier Lionel. Vraiment, merci beaucoup pour cet exposé dense, intéressant, important, qui nous montre en même temps mythe ou réalité, c'est bien le mot, hein, mythe ou réalité. On sait que ça a été probablement un moyen de résistance, peut-être moins qu'on ne le pense. Mais bon, après, voilà, on n'a pas beaucoup d'éléments historiques. Là, si on est devant un problème majeur, c'est que les principales sources sont des sources qui viennent directement des vainqueurs. Donc ça aussi, c'est un problème concret que nous avons et que nous devons gérer. En tout cas, moi, je voudrais féliciter vraiment nos équipes qui ont permis cette prouesse technologique, même s'il y a du mieux à faire, hein, il faut qu'on puisse maintenant donner la parole aux gens, que les micros puissent marcher correctement, mais ça, on verra ça. Mais je crois que vous savez que nous étions plus de 150 aujourd'hui à avoir assisté à cela. Nous étions en Guadeloupe, nous étions en Martinique, nous étions à la Guyane, nous étions à Lyon, nous étions à Grenoble. Je crois que c'est très intéressant. Je crois que c'est un tournant que nous devons prendre au CM98. Hein. Et même quand cette pandémie, et je l'espère, au plus haut point sera maîtrisée, jugulée, je crois que nous devons garder aussi ce système pour pouvoir justement avoir accès comme ça à cette page, ces pages d'histoire qui ne sont pas suffisamment connues, que nous ne connaissons pas suffisamment. Et c'est d'ailleurs l'un des rôles importants du CM avec son université populaire. Et je me réjouis, nous nous réjouissons de cette collaboration avec la PECE, hein, l'Association pour l'étude de la Constitution européenne, qui doit, à mon avis, s'intensifier, qui doit aller encore plus loin. Donc, je voudrais, donc, sur ces mots, simplement dire à nos membres du CM98, mais aux autres aussi, que nous continuerons. On vous a affiché le programme des conférences à venir. Alors, ce qui est intéressant dans la suivante, c'est qu'on va comparer différentes traites humaines. On croit souvent qu'il y a une seule traite, la traite, entre guillemets, négrière transatlantique, mais il y en a eu d'autres. Et là, ça va être très intéressant, justement. Il y en a une qui m'intéresse particulièrement, c'est celle de Kwaku Bikaku, qui d'ailleurs a eu le prix du CNMHE, le prix d'histoire, qui va traiter justement de la traite, mais vue du côté africain. Ouais, très, très intéressant, parce que là aussi, il va falloir qu'on avance sur des données, qu'on comprenne un petit peu que cette traite, ben, elle n'est pas que de seul côté. On va essayer de comprendre tout cela. Et ça va être très intéressant de pouvoir comparer. Donc, remercier encore Lionel, remercier donc tous ceux qui ont participé, et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Et je souhaite, il faut le dire aussi, le nerf de la guerre. Nous souhaitons aussi que vous fassiez vos dons. Nous souhaitons aussi que vous continuiez à soutenir ce travail parce que nous allons aller plus loin. Et avec ce nouvel outil qui correspond à cet outil numérique, hein, nous allons pouvoir aller encore plus loin avec vous, si vous le voulez bien. Merci et puis à bientôt, à la prochaine conférence.